Ah, les petites OST là dans les oreilles qui te dit « Toi, tu vas mourir, tu vas pleurer sur ce let's play. » J'ai déjà envie de pleurer. J'arrive, bougez pas. J'ai déjà les larmes aux yeux. Au secours. Comment vous allez? Bonjour. Attendez, oh là là, je crois que la musique est trop forte. Oh, attendez. Ça a l'air d'aller, je crois. Attendez. Ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Hello, comment ça va? Bonjour! Bon lundi tout le monde, bon lundi, salut chatoutou! Des mecs qui sentent le chibre. Ouais, des mecs aussi qui m'ont brisé le cœur malgré eux, mais voilà, et salut Psel, comment ça va? Les gars, je suis très émue, Alors, ce jeu est sorti en 2016 et il m'a détruit le cœur. Et j'en suis toujours pas remise. J'y ai joué au début. Et après, je l'ai plus du tout touché. J'ai juste regardé des let's play, donc ça me fait très bizarre de pouvoir y rejouer en 2023. Et je pense que ça va être terrible. J'ai pas remis le compteur en route. Attendez.
Hop. Voilà. Le compteur est re-en route. C'est bon. Ah, la musique qui s'emballe. Bah écoute, ça va, ça va. Je suis émue encore une fois. Je suis un peu stressée aussi de retourner sur ce jeu qui est incroyable, by the way. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est grâce à Yunma que je peux y jouer aujourd'hui pendant le Zboubaton avec vous tous. Et salut Pianouille, comment ça va? Et comment tu vas aussi du coup, Chidoudou? Comment ça va? Et ouais, je pense que ça s'entend un peu à ma voix. Déjà, je viens pas de me réveiller, mais j'ai pas parlé de la journée presque. Du coup, j'ai la voix encore un peu du matin. Je vais déjeuner avec vous. Et pour certains, bonne découverte d'FF15 du coup. Et puis, pour d'autres, bonne redécouverte. Puisque oui, nous allons faire FF15. Du coup, en stream pendant le Zboubaton et même après, si on n'a pas fini le jeu, je pense qu'on n'aura pas fini le jeu, honnêtement. Mais voilà. Et salut Tae, putain, merci, c'est gentil. Mais toi aussi, t'es Pipax. Comment ça va, Tae? Attendez, on va mettre des musiques de FF15. Là, faut qu'on se mette dans le mood. Hop, je remets ça aussi en route parce que j'ai oublié de mettre ce son-là. Youp. Hop là. T'inquiète pas, Arby, ça va aller. Comment ça va, Pianouille? Je crois que je t'ai demandé. L'OST de FF15, malgré toutes les critiques que je peux avoir sur ce jeu, pas tapé, l'OST si bien, oui. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur le jeu Pianouille, mais les OST sont insane, pour le coup. Ça, on peut pas les retirer. De toute façon, toutes les OST d'FF sont insane. Donc bon, à partir de là, c'était pas très compliqué. Bah écoute, ça va super, Tae, ça va super, merci beaucoup, je suis émue de retourner sur ce jeu, mais je suis très heureuse en même temps. Donc j'ai très hâte, on s'est mis en mode de tout comfy, on va profiter de l'aventure. J'ai pas remis les bullies d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai peur qu'avec le jeu, mon avatar bug et tout, donc on va tester ça. Et les bullies prennent beaucoup sur mon processeur, du coup je les ai désactivés pour le let's play. Ça bosse avec une oreillette pour le stream. Oh, c'est gentil. Bon courage à tous ceux qui d'ailleurs ont repris les cours ou repris le travail. Moi, je pensais que c'était les vacances pour tout le monde, mais apparemment non, il y a déjà des zones, il y a déjà une zone je crois qui a repris. Donc bon courage. Prêt à entendre la fangirl simper sur Noctis. Je pense que je suis pas la seule hein. Je pense que je suis pas la seule à simper sur Bebou Noctis parce que Noctis en fait voilà quoi. Une beauté aux cheveux verts. Et salut Bebou, comment ça va? Je vais mettre le ventilo sur mon ordi. Zone A, bonjour. Je voulais pas reprendre. Non mais moi je pensais que c'était tout le monde cette semaine. Je suis un peu à la ramasse. Mais non, je crois que c'est ma zone du coup qui est partie en vacances là. Samedi. Bon courage du coup, t'as... Attendez. Hop là. Et Ignis, il cuisine super bien. J'avoue, avec son Eureka. Et j'ai trouvé une nouvelle recette. On va l'entendre, hein. Le fameux Eureka d'Ignis. Non, en vrai, ils sont tous des tchads. Ils sont vraiment tous incroyables. Mais bon, bah, Noctis, voilà quoi, c'est quand même le bébou suprême, hein. Après, il y a Prompto, et puis il y a Gladio aussi. Montagne de muscles, Gladio, là. Enfin bref, j'ai vraiment trop hâte de commencer. J'ai vraiment trop hâte. Hop, je vais juste préparer mes petites fraises que j'ai coupées avant le stream. Comme ça, je vais déjeuner avec vous. Enfin, je vais manger, parce que j'ai toujours pas mangé. Hop. Noctis, grosse victime. Super. Bonjour, Urf. Est-ce que tu veux te faire Théo ou bien... On va mettre une règle phare dans ce stream. Personne n'a le droit de critiquer mes bébous qu'il y aura dans ce let's play. Sinon, vous êtes ban. Vous êtes ban, sinon. Non, mais après, vous avez le droit d'avoir vos avis. Mais depuis le temps que je disais qu'il fallait que je fasse FF15, je peux enfin le faire. Ça fait un an, les gars, que je vous tanne avec FF15. Donc, on le fait de ce pas. Quoi de mieux que le Zboubaton pour commencer ce magnifique let's play? C'est le raid d'hier, l'envie de fraise. Ah non, c'est juste que j'ai acheté... Je viens de comprendre. C'est juste que je viens d'acheter des fraises. Enfin, j'en ai acheté quand? Dimanche? Samedi? Je sais plus. Et du coup, bah, j'en ai plein. J'en ai beaucoup trop pour moi. Du coup, il faut que je me dépêche de les manger avant qu'elles soient plus bonnes. Prince mal éduqué, il respecte même pas sa team. Prince mal éduqué, mais qui glow up. Vraiment, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ce jeu. C'est que tout le monde glow up à sa façon. Et oui, Noctis, au début, était un petit enculé.
Je dis pas le contraire. Mais il a tellement évolué que voilà. Noctis X Prompto, les vrais savent. Non, non. Noctis X Dae, c'est tout. Y a pas de. Non. Non. C'est pas autorisé ça. Noctis, c'est mon bébou. Est-ce qu'il va falloir que je remette le mur des bébous ou pas pour que ça soit clair pour tout le monde ou ça se passe comment? Je connais cette galère des fraises périmées. Ouais, non, moi j'ai pas envie qu'elles soient périmées. J'aime trop les fraises, du coup je me dépêche d'aller manger. Quand Ignis devient aveugle, il s'emballeque. Non, en vrai, il s'emballeque pas. C'est juste que t'as pas compris le perso. Faut accepter, jamais. Et salut Gadrel, comment il va? Et Luna. Alors Luna. Je dirais rien. J'avais 1 kilo à manger en 4 jours. Oh la vache. Appelez-moi quand Gentiana sera à l'écran. Putain, mais Gentiana. Oh là là. Et salut Mehdi, comment ça va? Si tu marches trop vite, c'est Gladius qui te dit de ralentir. Oui, c'est vrai. Luna, la femme. Non, c'est moi. C'est moi la femme de Noctis. Et je pense que c'est pas encore clair pour tout le monde. Hein. Va falloir que je mette le mur des bébous, je pense. Histoire de vous rafraîchir les mémoires. Enfin, la mémoire. Attendez, bougez pas, je vous cherche ça. On s'est lancé un mur des bébous, mais... Voilà, il est au milieu, ok? Donc ça veut tout dire. Aranea, non mais par contre Aranea c'est pareil. Hein. Elle me marche dessus. Ça va super Mehdi, merci. Quand je te vois, ça va toujours. Bon, t'es trop choupi. Comment ça s'est passé ton stream, Gadrel? J'ai vu que t'avais repris. Oh, j'ai fait tomber ma fraise sur mon écran. Sur mon clavier. Akange. Merde! Attendez, bougez pas. Putain, j'ai fait tomber ma manette aussi! Putain! Je suis trop maladroite, au secours! C'est bon, je suis là. Faudrait pouvoir changer le nom des persos. Comment ça, le nom des persos? Quel nom de perso? Putain, j'ai vraiment fait tomber ma manette à l'autre bout de ma chambre. Putain! Attendez, parce que du coup, j'ai du sucre sur mon clavier et vas-y, le clavier il coûte cher. Il y a un bug dans ton mur des bébous. Non mais il est pas à jour, c'est pas celui-là normalement le dernier mur des bébous. Il y a pas Emmett et tout. Mais dans le nouveau il y est, c'est juste que là j'ai pas mis le bon. Le perso du jeu tu pourrais renommer Luna Dae. Ah putain oui. Oh oui. Je me disais bien j'étais pas dedans. Oh Arby. J'ai pas vu ton OC, je peux pas te mettre dedans. J'ai fait tomber ma fraise sur mon écran. Non, c'était sans mon clavier. Oh putain. Après, je me suis emmerdée avec mon fil de casque. Enfin, au secours. Hein. Oh, au secours. Elle a fraisé son clavier. Non, mais c'est grave, j'étais en train de touiller pour mélanger le sucre et tout. Et c'est tombé dessus, genre, vas-y. J'aime bien les miettes dans le clavier, mais faut pas abuser. Hein. J'ai hâte de le voir en vrai, Harvey. J'ai vu un bébou Yunma dans les parages, il est où? Il est là, il est sur le stream, Bebou Yunma. C'est grâce à lui que je peux jouer à FF15. Donc faites-lui une hola d'honneur. Bon, sinon, comment vous allez, les nouveaux arrivants, là? Comment ça va? Vous avez passé un bon lundi, tout ça? Les touches vont rester collées. C'est pas tombé sur la touche, c'est tombé sur... juste avant ma touche espace. C'est sur l'espèce de truc qui descend, là. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai pas de repose-poignée, donc c'est juste le truc avant. Enfin, vous avez compris. Vous avez un clavier, quand même. Voyons. Voyons, voyons. Hop. Oh putain, cette OST. On va se taper toutes les bonnes OST en attendant que je mange, ça va être terrible. Enfin, ça va être trop bien. Hop. En plus, j'ai lancé le jeu pour tester, voir si tout allait bien avec ma manette et tout. Et oh là là, quand j'ai entendu l'OST du début là sur l'écran de chargement et que j'ai vu les premières cinématiques, j'étais là en mode... Oh, et le jeu, en vrai, il est super beau. Hein. J'avais oublié à quel point il était incroyablement beau. Surtout pour du 2016. En vrai, 2016, c'est pas si vieux, mais... Mais bordel de merde.
Hop. Je vous laisse savourer la musique en attendant que je mange. Je vous laisse apprécier. J'avais pas vu ton message, Gadrel. Ça va tranquillou, ça m'avait tellement manqué. T'as fait du amnésia? Non? Je crois. Est-ce que t'as eu peur? C'était lequel, Rebirth, ou c'était le amnésia? Enfin, c'était lequel d'amnésia, du coup? Ah, Rebirth. Putain, Rebirth. On l'a fait en stream, les gars. Je l'ai jamais fini aussi, parce que j'ai jamais réussi à trouver le truc où j'étais bloquée. C'était terrible le jeu, j'ai rien compris au jeu. J'ai vraiment rien compris à Rebirth. J'étais bloquée je sais plus où. Encore un des jeux que j'ai jamais terminé. Enfin c'est un 3, enfin c'est le troisième. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Quelques jumpscares qui m'ont fait sursauter. Putain, j'ai envie de voir Gadrel avoir peur. J'irai voir ta rediff. Je veux te voir avoir peur. Voir tes réactions un peu. Parce que pour moi c'est pas possible que Gadrel ait peur en fait dans ma tête il... Ou alors s'il sursaute il va juste faire oh mon dieu. C'est tout. La seule réaction. Ah mais c'est vrai j'avais du chocolat. Putain je suis con depuis tout à l'heure je bouffe des fraises comme ça. Mais j'avais du chocolat à l'aide. C'est plutôt en mode je sursaute et je t'insulte. Ça dure une à deux secondes. Trop fort le Gadrel. Après il reprend son self-control. Gadrel c'est un peu Gladio VTuber. C'est vrai. C'est giga vrai. Attends normalement j'ai une photo de toi Gadrel. Enfin j'ai ton avatar. Attendez. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Bref, c'est vrai que Gadrel, il ressemble un peu à Prompto. C'est le grand gaillard musclé là. La même chose. Salut Givra. Merci beaucoup pour ton petit coucou. Comment tu vas? Et puis je te retiens pas plus longtemps, mais j'espère que tout va bien pour toi et que tu te portes bien. Les gens ils vont croire que je suis en train de gratter du chrono, mais non, je suis en train de graille, c'est terrible. Encore, j'attends que Divi termine un art qu'elle m'a fait avec une version de moi en mode normal et en mode intro. Je crois que j'ai vu vite fait quand elle a fait un petit morceau en stream. J'ai trouvé ça, mais trop beau. Genre vraiment c'était trop beau. Je suis pas restée trop longtemps parce que je devais stream je crois après. Et quand je suis tombée dessus j'étais en mode oh BJ. Oh Divi. Coucou. Comment ça va Divi? Comment tu vas? Comment tu vas? On peut aller Attends ça peut aller. Je vis un peu des moments compliqués actuellement. J'essaye de m'en sortir malgré tout. Et vous comment ça va? Bah écoute, ça va, je te souhaite beaucoup de courage en tout cas, Givra, pour ce que tu as à franchir comme obstacle. Beaucoup de courage à toi, j'espère que tu vas t'en sortir. Et tu vas t'en sortir, t'inquiète. En vrai les gars, je viens d'avoir une idée de fou furieux. Je pense que je vais pouvoir être PDG. Imaginez un parc d'attractions sur le thème d'FF14, enfin FF tout court en fait. Genre, comme Disney, il y a des mondes par rapport au FF, genre FF15, FF7, FF10, tout ça. Et genre, il y a des courses de chocobo, enfin des... Tu peux visiter des endroits un peu comme, tu sais, les bars dans FF15, il y a la ruche, et tout. Genre des attractions comme ça, ça pourrait être trop stylé, wesh. Pour les fans d'FF, genre c'est l'endroit où il faut aller, tu vois.
Et bien sûr, il y a des boutiques avec plein de goodies, avec des gros chocobos et des mugs. Ah là là, oui, monter un gros choco gros. Ah oui! Non mais en vrai, ça pourrait être une idée de fou malade, hein. Le Gold Saucer, mais oui, un Gold Saucer et tout, avec plein de jeux à pièces et tout. Ça va super, Divi, merci beaucoup. Repose-toi du coup, repose-toi, repose-toi. Et allez voir Divi, elle dessine trop bien. Le Gold Saucer en version réelle, mais 1000 fois mieux que dans FF14. Mais oui! Sur ce, j'y vais la prochaine fois, des gros bisous. À la prochaine fois, des gros bisous et plein d'amour. Plein d'amour à toi, Givra! Des gros bisous et bon courage. Mais oui, mais imaginez, genre, dans le monde d'FF7, du coup, c'est un espèce de bidonville et tout. Il y a une boutique de fleurs où il y a un bail comme ça avec des fleurs pour rappeler à Eris. Enfin, plein de trucs comme ça. Ça serait trop bien. Tu as des attractions, ça se sent fortes. Genre la montagne de la terreur où tu grimpes Titan. Ouais! De fou! Genre tu fais passer un train et tout entre les jambes de Titan et tout. Enfin, la dinguerie. Ça serait trop bien. Ouais, mais ça serait trop bien. Ouais, je vais devenir PDG avec un poisson sur ma tête, t'inquiète. Il y en a de l'idée dans le cerveau de la tortue. L'idée est banger, mais oui! Dommage que. Elle sera jamais. Elle sera jamais faite! Mais oui, l'idée est folle, hein. Vous imaginez, vous faites des courses de chocobo et tout, genre pour. Tu sais, pour les enfants, t'as des petits parcs aussi, enfin des petites. Il y avait ça aussi chez moi, il y avait un espèce de petit parc d'attractions nul à chier. Où tu montais sur des autruches ou des trucs comme ça, bah tu fais la même chose mais avec des chocobos. Enfin bref, ça serait trop bien. Genre des glaces chocobos, des gaufres chocobos, des barba papa mog. Truc de fou en fait. Dis jamais, jamais. Mais c'est vrai, meuf. Enfin, comment moi, une meuf lambda, peut faire ça, genre? Faudra beaucoup de subs. Ouais, non, c'est ça. Le projet, je sais même pas comment il faut le faire et tout. Maintenant, on le construit où? Il faut trouver un paradis fiscal, un truc pas trop cher. Non, en vrai, en France, je pense que c'est pas possible. Du coup, faudrait en Europe. Mais où en Europe, je sais pas. Je go rester en l'heure, du coup, go suivre les conseils et faire une sieste. Oui, bon l'heure qu'à toi, Divi, et bonne sieste. Sur la carapace à Daé. Oh bah elle est pas assez grosse je pense pour avoir un énorme parc comme ça. Après je me dis ils ont forcément déjà pensé à ça en vrai les gens qui ont fait FF hein. Parce qu'ils ont déjà un café et tout au Japon, enfin ils ont des trucs de fou. En Allemagne et en Belgique les parcs d'attractions sont incroyables. Ouais. Bah, déjà, rien qu'en Allemagne, il y en a un ultra connu là. Je sais plus le nom, mais. T'es pas une déesse tortue qui peut grandir comme tu veux? Non. J'ai pas ce pouvoir là. Non, non, non. C'est pas du tout une musique d'FF, ça. C'est pas grave. Et au pire, pour rendre le truc encore plus gros, on fait du Kingdom Hearts avec. On fait le mélange de ça, genre. Puisque Kingdom Hearts, c'est aussi souvent dans les vibes FF. On fait tout ça! Tout ça en même temps! Ce serait trop bien, vraiment, ce serait trop trop bien. Je pense que je ne quitterai plus jamais ce parc d'attractions, que j'y habiterai H24. Honnêtement. Avec Nier! Ah putain, ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que. Ça va être beaucoup là. Ça va être beaucoup en vrai. Dans ce cas-là, on peut mettre Disney avec aussi, tu vois, mais. Mais compliqué, Disney. Ouais, voilà, c'est ça. Pour avoir les droits sur Cash. Bonjour. Hein. À part l'attraction Square Enix, quoi. Ouais, c'est ça. Non. En vrai. On va se cantonner à FF hein, quand même. Et après, on évoluera. Le projet d'AE PDG en cours, les gars. Et je vous mettrai une dédicace dans le parc d'attractions. Exprès pour vous, je mettrai une énorme tortue.
une Amanda Calonne, je sais pas quoi, je sais pas le nom, et sur FF14. Une Amanda... Comment ça s'appelle? Comment on dit? Je sais plus. Attendez, je vais mettre mes fraises au frigo. Sans faire tomber ma manette, j'arrive. Aïe, bougez pas. Oh, la hi! Merci beaucoup, Chips. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Tu as le même nom qu'un de mes doudous. What the fuck? Shadow! Pour le parc d'attractions, let's go! Shadow Light offre 5 subs. Merci beaucoup, Shadow, pour le parc d'attractions. Merci! Merci pour les 5 subs. Je parle juste plus haut sur le stream. Ah, ça c'est pas pour moi du coup. Après, c'est possible quand on voit le parc Mario au Japon qui s'est... Ouais, ben, le parc Naruto et tout, hein, c'est possible, mais ça demande tellement de démarches et tout. Et ça va super, Chips, merci beaucoup. J'ai changé de musique. Parce que ça, du coup, c'est pas FF. Oh! Ta 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 ta. Ça, c'est une musique de bagarre, ça. Alors... Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes sont égaux? Pourquoi tu poses cette question sur un stream de gaming? Telle est la question. Et toi, est-ce que tu penses que les femmes et les hommes sont égaux? Ouais, non, c'est pas trop le sujet, là. On parle de parc d'attractions, Chips. Oh, le candy up dans mes veines, là. Fouah. Niam. Juste comme ça pour avoir votre point de vue. Ouais, mais alors, c'est pas que j'aime pas parler de choses comme ça. C'est juste que j'évite de le faire. Surtout qu'on est en train de gaming. Enfin, on va gaming. Femmes, hommes, y a pas que des tortues. Ben si. Ça existe pas, les hommes et les femmes. C'est tortue. Complètement. Et salut Enzo, comment tu vas? Chips veut qu'on fasse son travail de dissertation. Est-ce que tu veux intro, conclusion, développement, tout ça? Il y a un loup amphibie. T'as des gènes de tortue, Gadriel. Tu le sais pas, mais tu le sais maintenant. J'aimerais trop une peluche tortue avec des chouquettes. Oh, j'avoue, ça serait trop chou. Ça va super, Enzo, merci. T'as juste des poils. Vous imaginez une tortue avec des poils? Trop chelou. Des poils rouges et noirs, là, comme Gadrel. Alors, je sais pas si c'est mis... Chadoudou, est-ce que t'as vu ou pas si la barre de sub, elle s'est mise à jour? Je sais pas si elle s'est mise à jour. Je viens d'avoir la chanson en rouge et noir qui vient de pop dans ma tête. En rouge et noir... À l'aide. Ah bah j'ai oublié de mettre ça aussi, merde. Une tortue musclée avec des poils rouges et noirs. Ah ça c'est une grosse tortue bodybuildée ça. Mais attends, mais mon ground control, Shadow, il te met la photo de Nar. De Nar Massive. Ouais c'est good, ok merci beaucoup Chidoudou. Et du coup merci pour tes subwoofers. Merci beaucoup pour Dorn, pour Isaac, pour Suo, pour Crox, pour Crox. Ah oui, c'est vrai, il y a un gars qui s'appelle Crox. Et pour Narmacil. Je suis musculeux, en fait. J'ai caché ma carapace au niveau de mes abdos. D'ailleurs, le sport, Gadrel, tout ça, t'as continué depuis que tu m'avais dit que tu te mettais au sport, là? Ça fait un moment, d'ailleurs, depuis janvier. Pour ton frère, le boudeur. Oh, mais non, il boude pas. Il boude pas, il a fait nuit blanche. Encore une fois. Bon, les loulous. Est-ce que ça vous dit qu'on parte sur Final Fantasy XV maintenant? Est-ce que ça vous dit qu'on démarre notre magnifique aventure où j'ai déjà les poils qui sont en train de frissonner, là, parce que je suis pas prête psychologiquement encore, mais soit... Hop, je vais mettre ça là-bas. Ça aussi.
la manette. Tac. Oh putain, je vais renverser mon coin diop. Ça c'est good. Bloop. De toute façon, c'est un titan le Z. Il est cailloutière, il a pas besoin de sommeil. Quelle vraie question. Est-ce que vous pensez que les titans font dodo? Bah ouais, en vrai, je crois que sur leur forme de titan, ils font dodo. Je crois. Touk. Alors, je regarde juste mon mail parce que si c'est le Crous, on sait jamais. Non, c'était pas le Crous. Voilà. Hop. Hop et hop. Tu crois aussi? Ouais, je crois qu'ils l'ont montré qu'ils faisaient dodo. Depuis janvier, j'ai eu un moment de pause d'un mois et là, depuis avril, je reprends. Mais déjà, je suis passée de 78 à 69, ce qui est pas mal. Oh! Mais GG, Gadrel! Trop bien! Et gros GG à toi. On les voit dodo, oui, on les voit dodo, c'est vrai. Surtout Ymir. C'est vrai qu'Ymir, on la voit dodo. Bon, allez, je change de scène. Faut que je démarre le jeu, donc bougez pas. Zezwila, j'ai pas oublié. Et salut Leïla, comment tu vas? Comment tu vas? je vais juste foutre mon OBS. Ici. Oh bordel, j'ai un problème avec mon chat. Eh ben écoute, ça va super. Est-ce que tu t'es bien reposée depuis hier, Leïla? Tac, bougez pas. Je vous mets bien, parce que c'est compliqué. Oh putain, merde. En fait, c'est bien d'avoir une télé, mais en même temps, c'est ultra zoomé, ça fait très bizarre. Voilà, ça c'est nickel. Hop. Tu nous as bien passé sur FF15, chez Doudou? Ouais, nickel. Merci beaucoup, chez Doudou. Cette musique, elle est trop bien par contre. Je vais la mettre dans les musiques de dessin, là. C'est bon, on est bien mis. Vous êtes bien installés. Vous avez votre petit plaid. Votre petit chocolat. Enfin, tout ce qu'il vous faut. Ah oui, ça a été. Il y a eu pire. J'ai oublié de fermer mon volet. Je me suis endormie. Bon, ça va, c'est pas très grave. Là, j'utilise les redeems de ma chaîne pour faire du sport en même temps. Mais il faut que je reprenne le tapis de course. Waouh, mais Gadrel, giga tchad, hein. Je viens de voir une recette de brioche choco. Je vais essayer de la faire tout à l'heure pour t'en envoyer. Oh, mais... Oh, chatou! Me fais pas, me commence pas, hein. J'ai déjà le kokoro en susu. Donc, commencez pas à vouloir me faire pleurer. J'attends que la musique finisse et je lance le jeu des loups. Il reste 23 secondes. Je finis mon magnifique candy up chocolat. Oui, le téléphone, qu'est-ce qui se passe? C'est Vinted. J'en ai marre des trucs Vinted. Hop. Allez, on lance FF. Alors, je vous préviens, il n'est pas sur SSD. Du coup, les temps de chargement risquent d'être un poco long. Un poco. Gadrel, soulève-moi. Oula. Alors, j'ai rien vu. Je suis pas au courant. J'ai pas du tout vu ce qui s'est passé là. Pas compris. Pas compris. Oh bordel. Non mais y a pas de souci. On répétera pas, on dira rien. Ça reste ici. D'accord, je compte sur vous. Deuxième épinglé là. Oh bordel, non. Je dis pas non mais je suis pas sûre que Red soit d'accord. Je suis pas sûre non plus bizarrement. Vraiment pas sûre. Un poco, ouais, ça risque d'être un poco longué, hein, parce que déjà les temps de chargement étaient super longs à l'époque. Pourquoi j'arrive pas à lancer Ok, c'est bon, c'est parce que je l'avais déjà lancé. À l'époque, c'était déjà long sur Play. Là, sur PC, j'avoue que c'était un peu long aussi quand j'ai commencé à tester. Il y a des choses intéressantes ici. Oulala. Oulala. Oulala.
Alors bougez pas, je lance le jeu et après je vous le mets sur l'ordi, enfin sur le stream. FF14, non, du coup c'est FF15. Ta gueule, toi. Ok. T'as vu, pour une fois, j'ai rien fait. J'avoue, pour une fois, c'est pas Gadrel. Pour une fois, Gadrel a été très sage. On voit le temps de chargement en bas. Vous voyez à quel point ça risque d'être long, donc on va papoter en attendant. Non, il a pas sauté dans la situation. Non, mais non, mais vraiment pas. Il a juste dit qu'il faisait du sport et tout. C'est Shadow qui lui a sauté dessus. Je suis mort. Oh, c'est trop grave. C'est trop trop grave. J'ai la voix cassée, c'est trop grave aussi. J'ai l'impression que j'ai fumé 15 gitanes sans filtre. Je suis désolée. Je suis désolée pour cette voix dégueulasse. Un Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus. Pouah, pouah, pouah. La femme propose, l'homme dispose. Ah ouais. Ça dit les termes ici. Et là, on se refout tous en l'air. Déjà, rien que quand vous allez là-dedans et que vous entendez la musique, vous avez envie de mourir. Je passe en l'air, Camille, bien, des gros bisous. Merci beaucoup, Leïla, pour ton l'air. Des gros bisous. J'allume ma manette aussi. Alors, faudra que vous me dites au niveau du son, tout ça, hein, vous avez l'habitude. Parce que moi, j'ai pas mon retour. Ça va donner envie de le refaire. Ah là là. Et salut Neigis, comment ça va? Comment ça va? Je regarde juste mon gestionnaire. Le gestionnaire a l'air ok pour l'instant dans le truc. Qui m'appelle? Je suis en train de jouer, j'ai pas le temps. Alors, nouvelle partie. Alors, j'ai juste testé, donc bah, j'ai rien fait. J'ai rien fait de fou. Donc, j'avais peur que Steam fasse une connerie, je suis content. Oui, ça a l'air de bien fonctionner. Vous êtes prêts ou pas pour commencer l'aventure? Coucou petite tortue, la musique est un peu dépressive, donc j'essaye de mettre un peu d'ambiance. Bah écoute, j'espère que tu vas bien, Néjus. Et j'avoue que ce jeu risque de me faire pleurer. Bah, bienvenue en dépression, hein? C'est FF, il faut pas se poser de questions, c'est normal, c'est triste. Violette! Ça demande à mettre Violette. Bougez pas, je mets Violette. Tu veux mettre l'ambiance? Oula, non! Non! C'est l'heure de l'apéro! Apéro! Voilà, il y a Violette. Bon, elle est un peu mal mise, mais c'est pas grave. Faut que je règle mon son, moi, c'est beaucoup trop fort. Hein. Attendez, je règle mon son. Merci Gadrel pour l'apéro. Allez, on y va. On y va. Ouais, ça a l'air d'être super fort. On va faire en normal parce qu'on n'est pas des noobs. Et le tuto, est-ce qu'on fait le tuto ou pas? Je m'en rappelle plus. Non, non, pas besoin. Violette entre tes boobs sur le stream et Violette entre mes boobs IRL, elle en a de la chance. De fou. Allez, on commence notre aventure. Je vous demanderai juste du coup pendant les cinématiques, tout ça, d'éviter d'utiliser les sounds d'alerte. Enfin, les applauses, les apéros, tout ça. Le spoil et le backseat, évitez un petit peu aussi, même si moi je connais le jeu, il y a peut-être des gens dans le stream qui ne le connaissent pas. Et voilà! Je veux bien prendre la place de Violette. À l'aide. Allez. Allons-y. Profitons de ce let's play. Et j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Et être autant touché que moi. Et le premier temps de chargement qui va durer 15 ans. Voilà, le destin du monde est entre les mains du futur roi. De mon roi, c'est-à-dire Noctis, mon homme. Voilà, je finis mon candiote. Bougez pas. Oh, tais-toi le téléphone, hein, ça suffit là. Merci beaucoup Miguel, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. J'ai 666 points de chaîne. C'est un signe du destin, ça n'est juste. C'est un signe. Attendez, je cul sec mon candy-up, j'arrive. Voilà, cul sec. Comme un shot de vodka. Dans le gosio. Le bruit de la paille. C'est l'heure de Ah! l'apéro.
Juju! Comment il va, Juju? Par contre, ça se miguel. Hein? Oh, le son est super fort. Ça se dit Miguel? Miguel, Miguel, vous voulez que je dise comment? Enfin, tu veux que je dise comment? Faut que je baisse le son, attendez. Oui, bah, il va attendre. Ok. Noctis Daddy. Oh, j'ai envie de lui rouler dessus! J'arrive. Miguel. Oh, j'ai eu peur. Salut Juju, tu vas bien? Oui, tu arrives sur le meilleur jeu du monde. Ah, enfin l'un des meilleurs. Coucou Ori, comment ça va? Dépêche-toi, il va recommencer. Baissez-vous. Moi aussi je l'aime, mais c'est le mien. Comment tu vas Miguel du coup? Je vous couvre. Tiens Noct. Oh là là. J'espère que le son n'est pas trop fort parce que moi il hurle dans mes oreilles. Mais ça va super, merci beaucoup Juju. Avant la chute. Oh, ça bug pas j'espère, n'hésitez pas à me dire. Hein. Préfère prompto moi. Comment tu vas Ori? Et ça va super également Miguel, merci beaucoup. Oh là 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 là. Moi je fais un screen. Tout est en ordre pour ton départ, Prince Noctis. Merci, Votre Majesté. C'est le mien, Trace ta route, et que les dieux veillent sur toi. Oui. Oh, il est beau. Pardon, je vais simp. Hein? Je simp. Si tu veux, je te soulève, je te soulève. Le jeu est magnifique, en vrai, ton stream bug pas, c'est cool. Le jeu est trop beau, et merci de m'avoir dit. Que les ça buguait pas. Des privilèges, on dirait. Je suis très contente que ça bugue pas. Passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Oh là là. Votre Altesse. Quoi encore? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Alticia au péril de notre vie. Bon, Cor nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non? Rautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous de même, Majesté. Qu'est-ce que prenez je l'aime. Prenez la garde à ne surtout pas offenser nos hôtes. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. On va t'en faire pour moi. Oh. Je suis ravi de voir du pays. Il est trop beau. Tu dois être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Oh là là. Garde la tête haute. Ah. Mon fils. Oh là là, le jeu est vraiment magnifique. Ça me fait trop plaisir. J'ai envie de pleurer rien que de commencer le jeu. À l'aide. Je suis pas fan de la personnalité de Noctis. Je le trouve trop Zazouk. Mon perso préféré est Gladius. Non, mais ceux qui comprennent pas Noctis, je peux rien faire pour vous. Parce que Noctis, il est incroyable. Genre. Bref, je peux pas dire, parce que j'ai pas envie de spoil ceux qui connaissent pas et tout, mais trop tard, j'ai les yeux qui pleurent. Je suis trop émue de faire ce jeu. Ça fait trop plaisir. Je suis trop contente. Non, franchement, c'est surtout car t'as pas d'autres arguments. Si, non, en vrai, j'ai tellement de trucs à dire sur Noctis. Attendez, j'ai une larme qui coule. J'ai tellement de trucs à dire sur Noctis que je pourrais faire une dissertation. Donc, ouais. Je suis très contente de découvrir ce effet. J'espère que le papa aura pas de soucis. Il a l'air beaucoup de tenir à son fiston. D'ailleurs, les gars, alors,
Petite critique qu'il y a eu envers FF15, c'est qu'il était assez court, qu'il n'y avait pas assez de choses. Mais en fait, si vous voulez, il y a un truc qu'il faut savoir quand vous jouez à ce jeu, c'est qu'il faut fouiller partout et lire tout pour avoir pratiquement tout le lore. Et il faut aussi regarder le film qui se passe pendant une certaine période du jeu. Et le film est incroyable, la DA du film est trop belle. Donc vraiment, allez voir Kingslave, je crois que ça s'appelle comme ça. Il est sur Netflix, si vous voulez, normalement. Et il est incroyable. Je comprends ta petite larme, mais ça me fait tellement plaisir de retourner sur ce jeu. Mais je suis trop émue, vraiment. Et coucou Silly, comment ça va? Du coup, ça aussi, il faut les lire normalement. Donc, le prince Noctis, Lucis, Kaelum part pour un pays voisin, pardon, où la cérémonie de son mariage doit avoir lieu. Il voyage au bord de la Regalia, la voiture préférée de son père, accompagné de ses trois amis les plus proches. Et les DLC sont importants. Oui, les DLC sont aussi importants. Grâce à Yoon, du coup, je pourrais les faire aussi. Donc, on les fera également. Le film est cool. Non, franchement, le film et l'anime, oui. Très, très cool. Donc pour ceux qui veulent vraiment avoir tout le lore, même si je vais essayer de tout fouiller, allez voir aussi le film qui est vraiment très très cool. Au pire, on pourra le faire sur Discord si vous voulez. Et ça va super Silly, et toi comment ça va? Et coucou Divi, comment tu vas aussi? Comment tu vas? Je vais essayer de pas pleurer, hein, on se retient. Allez, on y va. Celui d'Ignis, incroyable, oui, vraiment. J'ai un autre entretien en visio dans 15 minutes, je ne pourrais pas rester. Pas cool, la vie à la campagne. Pas de soucis, Juju. Bon courage. Plus dur que je le pensais. Salut Enden, comment ça va? Et merci beaucoup, Divi. Divi Nordo mange de la pizza depuis 6 mois. Merci beaucoup pour ton 6e mois, Divi. Je viens de sortir d'un entretien. Tu me diras comment ça s'est passé, Juju. Dites, c'est pas la voiture qui doit nous transporter? Tu t'es bien reposé, Silly? On y va. 1, 2... J'ai le film en version collector, la pochette est incroyable. Non mais oui. 6 mois de pizza et pourtant je prends pas de poids. Let's go! C'est la magie du stream. Et attendez, regardez-moi le cul de Gladio. Et écoutez-moi cette musique. Genre. Comment on avance? Poussez. Comment on fait? Alors attendez. Comment on pousse? Comment j'arrive pas à pousser? Ah c'est bon. Regardez le cul de Gladio. Bim le cul. Non, je me tais, écoutez la musique. Eh ben ça va super Divi, je suis très émue, mais ça va super et toi comment ça va? Ça me saoule, j'en ai déjà. Et moi, prince charmant. Be afraid. La musique est trop belle et trop douce pendant qu'on voit 4 chats pousser. Mais oui, cette musique c'est celle qui m'a détruite à la fin du jeu. Celui que je viens de faire, ça s'est bien passé, sauf un petit détail qui a son importance que je n'ai pas percuté. Oh, bah tu me diras, Juju. C'est beau de rêver. Gladio, mon modèle. Gladio, il est trop beau. Même sa petite coupe et tout, il y a tout qui va. Calme-toi, c'est bon. Alors, toujours rien? Occupé à chaque appel. Attendez, je n'ai pas rêvé. C'était pas censé être si loin que ça. Je t'assure que la carte est correcte. Elle indiquait qu'Amered était à 2 pas. Bah ouais, pas loin du tout. La prochaine fois, vérifie l'échelle. N'empêche, la bagnole, elle est incroyable. Hein. Bisous, bisous, Juju. Bon courage pour ton entretien. Bon courage. Darling, Et non, Noctis, c'est à moi. Non, Noctis, c'est mon homme. Stay by me. Stand by me. Ah! Ah! À l'aide. À l'aide, à l'aide. Je suis trop heureuse de faire ce jeu. Je suis trop heureuse. J'ai envie de crier. Je voulais cette voiture sur FF14, mais je crois que j'avais raté l'event. Mais elle va sûrement ressortir sur FF14. Hein. Et j'en ai rien à foutre. Je vais full jouer pour l'avoir. Voilà. Crie fort. Salut Béchette, comment ça va? Gros bisous d'ailleurs, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Mette pas trop les boules. Chut. La chaudière. La chaudière. Regardez là la chaudière. Direct, elle demande le prince, la michto là.
votre Altesse. Regardez-la, elle. C'est encore un peu tôt. Dame Luna Freya ne serait pas contente d'entendre ça. Ah bah ça va super, Bûchette. Comment tu te sens? Vous devriez garder vos excuses pour le patron. Mais t'es qui, toi? Cindy. Acheter la voiture sans Mockstation. Oh bah non, franchement, moi je la prends. Hein. Enfin, la voiture. Dépêchez-vous la rentrée. Oh, Cindy the Bee. Régis, vous a pas dit de faire attention à sa voiture? Habille-toi. Il mérite d'être traité avec délicatesse. Habille-toi, Cindy. La grosse chaudière. Noctis, le fils de Régis? Ouais. Et là, il va se faire tacler ses gros morts. C'est vrai que tu ressembles à ton père, mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. Quoi? C'est un voyage important qui t'attend, fiston. Avoir ta tête, je la coco pas, elle, mais je l'aime bien. Non mais Cindy, quoi. Non mais Cindy. C'est vraiment the meuf chiante qui nous demande d'aller chercher des vieux trucs, là. Rentrez là dans le garage et allez faire un tour. Mais regardez-moi, c'est Bzez. C'est tout sauf vrai, ça ne bouge pas. Genre, regardez, c'est Bzez, ne bouge pas. C'est full plastique. La quête secondaire de l'enfer. Ouais, non, vraiment. Son daron, en vrai, était gris, mais il est très cool. D'ailleurs, on va se battre. Mais battons-nous, Ori. Aranea ou rien. Les tchouches. Eh bien, voilà. Nous y sommes. Nous sommes sur le jeu. La Java idéale. Oh là là, ça fait si longtemps, je ne sais plus jouer. Noctis ! Qu'est-ce qu'elle a ? Dites les gars, c'est la première fois que vous venez dans le coin ? Explorez la région. Tenez pour pas vous perdre. Merci. Merci la chaudière. Non mais c'est trop grave, hein. Blablabla. range la main du Falzar, Ori. Enlève ça là. Du coup, le resto, ok, donc le resto, c'est pour mettre à jour la carte, si je dis pas de bêtises. Donc on va aller faire ça tout de suite. Au niveau du secondaire, je pense que j'en ferai en off aussi. Ils ont de l'ébonie ici. Ignis va halluciner. Mais c'est quoi un... Ah, oh putain, j'ai eu peur. Ferme ton manteau par pitié. Mais oui. Offre deux subs. Merci beaucoup Bûchette pour les deux subs offerts. Merci beaucoup. Merci, merci. Je repasse en lurk. Des bisous Ori. Bon, du coup on peut dormir comme des gitans dans une caravane. Pour l'XP c'est pas mal, de ce que je me souviens. Mais pour admirer le disque, c'est le belvédère de l'Estalo. Bah, ouais, je sais bien. Mais encore. Ouais, d'accord. Mais lui, il a l'air toujours paniqué quand on lui parle, il dit toujours « Oh, bonjour !» Pour ce que j'en sais. Ok. Oh, Bachette. Merci beaucoup, Chedoudou. Chedou Light offre 5 subs. Merci pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Vu ce dont on parle depuis 5 minutes, vérifie que les écouteurs sont bien branchés. Oui. Ville et lieu de repos. Moi aussi j'ai l'air que je vais faire une sieste depuis debout depuis 3h du matin. Oh putain, bon courage Divi, du coup bonne sieste, des gros bisous. Lui il nous parle du début à la fin du jeu comme s'il ne connaissait pas. Oui. Hello Stray. Wow, ma gorge elle a fait un bruit bizarre. How are you Stray? Et là du coup on a des points de récolte. Donc je pense pas qu'on va tous les faire hein, mais... Shadowlight claque sans bite. Noctis, tu as environ 10 personnes à écraser Foxy Steppies au travail. Merci beaucoup, Shadow, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Et je vais très bien, Stray. Thank you. Vous voulez quoi? Faire. Ça, c'est pareil. Il y a une ville. Je passe pas, mais il y a une ville dans laquelle on va se rendre où c'est super cher de bouffer. il y a parfois des contrats de chasse, donc ça on va les faire parce que ça va donner de l'XP et on a besoin d'XP, beaucoup d'XP pour rouler sur les mobs. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas joué donc j'essaie de faire avec ce que je me souviens. Sur les créatures qui représentent une menace pour la population locale, la population locale, en les remplissant, vous pouvez recevoir des guilds ou autres récompenses. Commencez par accepter un contrat auprès d'un informateur dans un restaurant. Une fois la cible désignée éliminée, vous pourrez récupérer votre récompense, bla bla et bla.
En tant que chasseur, vous avez un grade qui progressera au fur et à mesure que vous accomplirez des contrats. Pour monter en grade, vous devez accumuler des étoiles Meldacio. Bref, on s'en fout. Ces monstres ne nous laissent pas une minute de tranquillité. Voilà, la grosse tête à Ignis qui vient de passer là. On va en prendre. On va tous les prendre, je pense. Merci à vous. Pas de rien. Je crois que les niveaux au début montent pas mal. Vous êtes courageux. Oh, dis donc. Dis donc, on dirait ma grand-mère. Merci à vous. Allez, casse-toi. Pensez à bien vous équiper. Ouais, baguette. Nocte, j'ai un petit souci. Avec la réparation de la voiture, on n'a plus un sou. On est fauché. Parler à Cindy. On est fauché. On est fauché comme les blés. Voilà. Ouais, t'as tout compris. Quand j'y pense. On est étudiant. Il nous a fait payer une vraie fortune. On est putain d'étudiants. Du coup, on va aller parler à notre très chère chaudière. On va pas se laisser faire. Et ensuite, on ira faire des contrats de chasse parce qu'on va fouiller un petit peu la zone. Ça vaut le coup d'aller voir. Qu'est-ce qu'ils ont à toujours me parler? De quoi? Qu'est-ce qui? Ah, ça. Quel genre de viande utilise-t-il ici? Je sais pas. On s'en moque, tu m'en manques, c'est bon. Ça monte giga vite avec les contrats. Ouais. Et c'est pareil, il faut fouiller, il y a plein de petits trucs. Ramasse! Il y a plein de petits trucs partout, ça nous évite d'acheter puisqu'on est des gros rats. Mais du coup, ouais, on va visiter un peu l'endroit parce que de ce que je me souviens, il y a pas mal de trucs à voir. Et Cindy, je crois qu'elle va nous faire. Nous dire aussi d'aller voir un gars. Pour la chasse. Je crois. Oh, y'a un truc! Tu joues sur quoi là? Sur PC. Je joue sur PC. Avec une giga manette. Est-ce qu'on peut faire boing sur les pneus? Non, on peut pas. Déception. On peut aller dans la bagnole? Oh non. Déception aussi. C'est triste. On peut pas sauter au-dessus des bagnoles. Y'a un truc. Voilà. Je me disais aussi, le jeu est un peu plus beau. Que sur PS4 à l'époque. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai l'impression que ça ne bug pas. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me le dire. Ça fait du bien de plus avoir à se battre. Bah, on va se rebattre dans pas longtemps en BG, mais ouais. Déjà de retour? La voiture est loin d'être prête. Y a un problème? On est pauvres! On lui dit demander un rabais, parce qu'on est des gros rats, demander aux autres, demander un prêt. Un prêt! Ça me gêne de demander ça, mais tu pourrais nous prêter du blé? C'est pas ça que je voulais dire! Ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon. Oh, Noctis, le rat! Papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payé pour cette mission. Allez. Avec votre argent, en quelque sorte. Si on avait tout prévu en réalité, on va donc lui obéir. Et lui montrer qu'il ne doit pas nous sous-estimer. Tips, Dame Dae ne vend jamais l'arme principale du... Mais à quel moment je vais faire ça? Jamais. Sur PS4, des fois, la texture, c'était bof. Peut-être, en vrai, je me rappelle pas, ça fait si longtemps que... Mais peut-être, ouais. Faut que j'y retourne. Bonne fin d'après-midi à toi aussi, Bûchette. Bon courage et peut-être à tout à l'heure. Allez où ma CE? Elle est là, hop. Et puis, bah, bon courage à toi, Bûchette. Merci d'être passé faire un coucou, ça fait plaisir. Putain, il y a des modes. Oh, ça, je savais pas. Du coup, ouais, donc ça, c'est le magnifique truc d'équipement, mais je pense qu'on a rien rien de fou. Oh, mais si, on a des trucs. Ça, c'est typiquement le truc sur les FF que je sais pas faire. Donc, je sais pas optimiser mes trucs, donc m'engueulez pas. Qui permet au groupe de ne pas subir de dégâts, qui est accessoire qui empêche un groupe d'assimiler l'XP, blablabla. Accélère le remplissage de la jauge d'osmose. Même la magie, c'est super fort dans le jeu, je crois. Et je suis trop une merde, je sais pas faire. Qui permet de gagner un bonus de PC quand une étoile est obtenue. Qui augmente la chance d'obtenir des objets. Ça, on va mettre ça, parce qu'on est des gros rats. On met ça en attendant, là.
De sprinter et de suspendre sans... Attends, et de suspendre... De se suspendre. Ah Quand une étoile est tenue... Attendez, on va mettre le truc à Noctis... de Noctis à Noctis, en fait. J'ai envie de leur mettre un vieux truc au début, quand même. Voilà. Anneau d'endurance, tu peux, si ça te fait chier d'attendre que ça revienne... Ouais, bah voilà, du coup. Il y a plein de trucs dans les DLC inclus dans cette édition, donc plein de costumes. C'est vrai qu'il y a des tenues. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là là, Gladio, mais quel homme! Oh là là, ces muscles saillants, oh là là. En vrai, j'aime bien leurs uniformes de base, donc... attends, on va voir Noctis. Est-ce qu'on va... Oh là là, il y a plein de trucs! Noctis. Non, ça c'est moche, ça par contre, ça je l'avais... Ça non plus, c'est on dirait un vieux touriste. Tenue de rebelle. Oh là là, costume. Oh là là. Oh là là. T-shirt coupeau. Regardez la gueule qu'il a. Regardez la gueule qu'il a. Oh mais Noctis. Non, faut pas faire ça. Hein. Attendez, là j'ai un truc dans ma tête qui vient de pop. Attendez, bougez pas. Tres, cuatro. Eso. Oh non. Ah, y a pas à faire ça, y a pas... non mais bébou, regarde-moi la dégaine de mon homme. Non mais y a Ezio. C'est sérieux? J'avais pas compris qu'il y avait autant de trucs comme ça. Non par contre, en vrai on va les laisser normal parce que... On va peut-être lui mettre... On va peut-être lui enlever sa veste. Parce qu'il fait chaud, vous avez vu, on est RP. Dégaine pour sauver le monde, je te jure. La combi du futur c'est pour être immortel. Véridique, genre? Vraiment immortel? Voyons voir Ignis. Ignis, tu sais, il a toujours une petite chemise comme ça. Bon, là, c'est un t-shirt dégueulasse, mais... On va les mettre décontractés, tu vois. Plus aucun dégât? Ah ouais... Mais c'est pareil, en vrai, Prompto, il a des putains de biceps. Regardez-moi ses épaules, il est carré un peu, le boug. Y'a pas une durée de vie à l'armure? Alors là, je sais pas du tout. Et il fait chaud, hein? Ah ouais, là, il fait très chaud. Oh là, gratte-toi les cheveux, s'il te plaît, BG. Voilà, on va les mettre comme ça, en mode de... Oh, mais regardez-les, comment ils sont... Comment ils sont beaux. C'est quoi, ça? Quête temporaire. Ouais, non, on s'en fout, je pense. Ok. Magie, on en a sûrement pas... Les aptitudes ont pu la merde aussi. Normal, on est compensé. Prompto, il est toujours décontracté. Oui. En vrai, Prompto, j'aime bien sa petite mèche et tout. C'est trop stylé. Attention à ne pas chasser la nuit. Les démons sont beaucoup plus coriaces. Voilà un peu d'argent. De quoi passer une bonne nuit. Mais surtout, ne dites rien à papy. En vrai, c'est une chaudière, mais elle est sympa. Genre, elle nous donne 1000 euros comme ça. Genre, imaginez dans la rue, vous croisez une meuf qui donne 1000 balles. Ah, comment on ouvre la carte? Comment on ouvre la carte? C'est quel... Voilà, on m'a foncé dedans, là. C'est où, la carte? Ah, carte! Je suis con, c'était écrit. alors, les contrats de... Les contrats de... Attendez. Non, c'est pas ça non plus. Ah, les quêtes. Ah oui, c'est ça. On va faire nos petits... on est level combien? C'est écrit où? On est level 1, on pue la merde. Hein. Donc en fait, on va faire ça avant, comme ça on va gagner... En fait, non, on va continuer avec cette quête. Comme ça, on va gagner de la thune. Et comme ça, et des levels aussi, et puis on pourra faire les contrats. C'est plus haut les allez, yeux quand on regarde Cindy les gens. On part devant. Juste une seconde. Une meuf habillée comme elle,
qui file des thunes, ce serait louche. Ouais, un peu, hein. Alors, je sais plus me battre. Alors là, ça va être terrible. Coucou Kiki. Elle a des yeux. En vrai, elle a des yeux verts. Alors, une jauge d'alerte, ça je sais. Comment on attaque? Verrouiller, c'est R. Non, c'est ça. Ah, alors. Noctis a la capacité spéciale d'invoquer instantanément des armes pour combattre, appuyer sur machin pour attaquer ou maintenir la touche pour passer en mode offensif. Et enchaîner automatiquement les attaques sur l'ennemi le plus proche. Comment on saute dessus? Ah, on a une lance et tout. Oh merde. Ça va être chaotique au début. Je préviens, le temps que je m'habitue au gameplay. Parce que entre ça et on continue comme ça. Et Crisis Core et Elden Ring et tout ça, le gameplay, je suis toujours une noob, vous savez, vous avez l'habitude. Triangle pour l'attaque éclair. Ah ouais, merci, merci. Merci Miguel. Je reviens plus tard entre 17h et 18h. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Putain, j'ai hâte d'avoir les chocobos là. Parce qu'en plus de ça, on peut changer les couleurs des chocobos. Tu as joué Elden Ring? Oui! Alors j'ai fait que 3 streams dessus, mais j'y joue. D'ailleurs, pendant le Zboubaton, peut-être il y aura du Elden Ring avec mon frérot. Ça risque d'être très très drôle. Mais j'ai jamais fini le jeu, donc... Ah, roulade, mode défensif, ok. Et merci beaucoup, Otaku. Merci beaucoup, Otaku David, pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ça me plaît, ça. J'aime bien ton emote gras. Meurs, chacal. Et bonjour. Comment tu vas, David? Ah, mais il faut que je me défende, en fait. Ça va? Ouais. Oh, mais genre, j'étais trop tôt. Mais la musique des combats, elle est incroyable. J'ai envie de pleurer. Je suis si nulle. je suis trop nulle. Ça va, merci. Et bien, tant mieux. Bienvenue sur le stream. Bienvenue, bienvenue. C'est vrai que dans les endroits comme ça, vu comme... Alors, FF15 est assez ouvert. Il y a pas mal de trucs à ramasser aussi. Pour la destination suivante? Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Oh, la baie de Galdina. Ça, le ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois. D'abord les joies du carénage et ensuite les joies du mariage. Mais j'aime trop comment ils parlent. Mais du coup, ça va être difficile de parler parce qu'ils font que parler entre eux. Écoutez-moi cette musique. Regardez-moi ces gros beaux gosses là. D'ailleurs, une fois j'ai regardé un let's play et j'ai vu Prompto, ici présent, mettre une main au cul à Noctis. J'ai le screen, j'ai une preuve. Prompto a touché le cul de Noctis sans aucune putain de pression, en pleine cinématique. Ouais, va-t'en, va-t'en. Prompto, c'est celui que je préfère. Il est incroyable, Prompto, il est trop drôle. La VF de FF15 est insane. La voix de Noctis est insane. Je l'ai dit, Noctis X Prompto. Non! En vrai, faudrait que je vous retrouve le screen, je vous le montrerai. Pas étonné, honnêtement. Vraiment pas. Hein. Je me demande si on... Quoi, tu connais pas le Broforce? Ouais. Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire. La Broforce, ouais. Une attaque! Alors, appuyez sur Y pour effectuer un assaut avec... Ok, c'est là. Plus la distance avec l'ennemi est grande, plus les dégâts sont élevés. R verrouillé. Ah, il faut que je reste appuyé sur R pour sauter dessus. Ah, bâtard! Attends. Oh merde, je me suis trompé de touche. Ok, alors attendez. Mais j'arrive pas à lui sauter dessus. Tu vas
Bah ouais, j'ai compris que ça qu'il fallait que je la verrouille, mais... Alors... Mais... Verrouiller, c'est bien R. Attendez, c'est où R? Ah, c'est ça R. Ah, mais je suis con. Mais je ciblais mal. Mais avance là. Je ciblais mal, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Pardon, pardon. Tu vas faire FF16, alors. Tiens, qui appelle? J'ai pas de PS5, mais... Allô? Salut, c'est Cindy. Mais dès que j'en ai une, oui. Salut, ouais, on a fini. Effectivement, obligé. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver... Cible mieux l'eau. C'est un chasseur qui s'appelle Dave. Oui. On n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane? Oh bah c'est chez moi ça, la cabane. Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. C ou R, mais en fait, c'est juste que moi, R, je pensais que c'était mon analogue. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Sauf que non, c'est ma gâchette. Elle a disparu dans la nature. Ouais. J'arrive pas à lui sauter dessus, normal, c'est sur les ennemis qu'il faut sauter, pas Noctis. Il y en a un stock sur Amazon, je crois, actuellement, je suis trop tentée. Juste pour un jeu, ça me rend ouf. En vrai, il y a tellement d'exclus PS5, mais honnêtement, je peux vraiment pas me permettre de me prendre une PS5. Mais en tout cas, merci pour le tips, Bichon. Si les gens veulent une PS5, let's go, allez-y. Mais ouais, dès que je peux, je ferai FF16. Mais alors, ça sera pas tout de suite. Faudra attendre que je déménage et tout, que ma vie soit un peu plus stable. Et merci beaucoup, Nicode. Comment on dit ton pseudo? Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je suis désolée, je dis très mal ton pseudo. Elles sont en stock partout maintenant. J'ai eu la mienne le mois dernier. Oh, GG! Et du coup, toi, tu risques de faire FF16, du coup, j'imagine. Et merci pour le pat Ritter. Coucou Ritter, comment ça va? Comment ça va? Je vais fouiller partout parce qu'il y a des trucs à ramasser. Hein. On est des rats ici. Ok, bah y'a rien. Wouah! Wow. J'aime trop ce jeu! Je pense, j'attendrai la fin d'année quand il y aura plus de jeux qui me tentent. FF16, Spider-Man 2, FF7 Remake 2, enfin tout ça. C'est vrai que pareil, FF7 il va sortir exclu PS5 en premier lieu. Putain, mais j'ai trop hâte aussi du remake là. D'ailleurs, il faut qu'on fasse FF7 Remake partie 1. Je finis Crisis Core, je fais FF7 partie 1 et on fera FF7 partie 2. Un message? Prompto est trop drôle, oui. Un bicorne mutant reconnaissable à ses cornes rouges a été repéré près d'Hammerhead. Merci d'éliminer au plus vite cette terrible menace. Note, l'élimination des Taoti de la région est aussi récompensée. Waf waf! On touche pas à mon homme comme ça là-haut! Est-ce que tout va bien? Alors, viser, c'est comme ça. Voilà! J'ai réussi! Oh putain, je suis où? Mais il est con! J'ai trouvé comment fallait faire, je suis con en fait, c'est moi. Ah, ça va aller, hein, c'est juste le temps que j'arrive à jouer. Prêt pour la baston suivante. Ça va super, Ritter, merci beaucoup. Regardez. Qu'est-ce que vous dites de cette cabane? J'espère que le son est vraiment pas trop fort, hein, parce que moi dans mes oreilles ça me défonce. Il est cool à faire en plus. Ouais, bah j'ai vu du coup. Enfin, j'ai déjà fait FF7 remake du coup, mais pas en stream. Et j'ai trop envie de le refaire vu comme je fais Crisis Core, bah ça serait d'une pierre deux coups en fait. D'ailleurs, Crisis Core, il faut vraiment que je trouve une date pour le finir. Parce que j'ai pas eu le temps, vu comme j'avais un problème de manette avant le sboue bâton et tout. Y'a rien à ramasser là, c'est vraiment la hesse. Ok, bon, bah, soit. Ça grappouille là-bas, je reconnais. Oula. Ça va le son? Ok, nickel. Attendez, on va pas faire le con, regarde. Voilà, j'ai réussi. Yay. Ouh. Oh putain, mais wesh, il est gros lui, non? Oh, je suis sortie du combat. Ah
Ah, j'ai plus de PM. Bim! 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 Crisis Core, je l'ai depuis 5 mois, j'ai toujours pas commencé. Franchement, fais-le parce qu'il est vraiment trop cool. Genre, il est giga... Pam, 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 pam. Hey, d'où vous sortez, vous ? Il est giga dynamique, Crisis Core. Vraiment, il est très très cool. Alors, c'est toi, Dave le chasseur ? C'est Dave. On cherchait. Ça va aller ? Vanina, oh oh oh. Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Oh, Vanina, oh oh oh. Les monstres n'étaient pas comme d'habitude. Je ferme ma bouche. J'ai réussi à les éliminer, sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Avec une récompense, hein, parce que on est des rats. Ok, on s'en occupe. Mais... Je me souviens du gameplay PSP, c'était déjà trop cool. Ouais, non, vraiment, fonce, parce que... Courageux. En plus, il est pas si long. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Il est vraiment pas si long. Et salut, So, comment ça va ? Tu penses à tout, non ? Pendant un moment, j'ai bien cru que t'allais faire ça gratuitement. Eh non, on est des gros rats ici. Hein. Faut que je ramasse le truc, il y a un truc qui brille là. Pop, 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 pop. Voilà, voilà. Je chasse les bicornes depuis des lustres. Mais j'en avais jamais vu avec des cornes rouges. Il est un peu Sasuke que Dave. Normalement, Dave, il est blond avec des petites madames qui dansent à côté de lui. Pourquoi il est aussi sombre, lui ? Le mec bresson, là ? D'ailleurs, on est level combien ? Comment on fait pour voir ? Non. Ah, qu'est-ce qu'il veut ? On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Bah non. Pas de pause. On va perdre l'XP. Pas de pause. Comme tu veux. Mais ne surestime pas tes forces. Je t'aime bien, Ignis, mais pas de pause. Comment j'ouvre menu... Non, mais c'est pas ça. Ah, c'est ça. Toujours level 1. Mais oui, je suis con. Il fallait faire une pause pour augmenter de level. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je suis débile. C'est des petits trucs bleus là, à ramasser. Non. Alors. Ah, ouah. Si, il y a un truc bleu là-bas. Oh putain, faire le tour. Il y a un truc bleu, vous l'avez vu ? Ça a brillé ! On a ramassé du bois. Est-ce que je peux vous emprunter du bois ? Quelques instants. Quelle belle personne du bois. Ok, y a rien. Donc on va se battre avec un bicorne. Mutant. Il fait trop chaud. T'as raison. Ah, de ouf, super chaud. La même. Ça, on n'a pas de bagnole, c'est si long. Vivement qu'on ait le choco gros. Parce que flemme de courir. Pire, il y a toujours cette technique. Regardez, c'est lui ? C'est un bicorne, ça ? Oh. D'après Dave, c'est une version renforcée. Va falloir agir vite et bien. Ouais, de ouf. La vieille McGonagall. localisé, bah, il est là, il est... Caps Lock qui me troll. Go Morganette, merci beaucoup pour ton lurk. On ferait bien de se méfier de ce bestiau. Oh le bestiau. Il m'a l'air normal pourtant. Bah oui. Attention. Non, il a pas l'air très normal, bro. Ça t'en couche à toi, pas vrai ? Ça, c'est bien joué. C'est pas fini. Essayez d'effectuer une commande dont vous avez équipé un personnage. Oula. C'est quoi c'est où elle? Ah! Je sais pas faire elle, c'est où elle? Casse-toi! Oh, j'ai réussi la parade! Attendez, parce que je sais pas faire elle.
C'est pas ça, elle. Bon, ça c'est pour changer d'arme. Ah, mais elle, c'est ça, je suis con. C'est bon, j'ai trouvé. Gladio. Oh, c'est chaud. Regardez-moi son gros cul de rhinocéros. Oh. Ok, c'est bon, j'ai rien dit, pardon. Mais pourquoi il pousse? L'enculé là! Apéro! Salut Crucy! Comment il va? Le BCR de la mythologie est vraiment incroyable dans ce FF. Oui, 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 vraiment. Hein. D'ailleurs, le Behemoth, il est insane. Genre vraiment, le Behemoth, il est super gros comparé à dans FF14. Ça va super, Crucy, merci! Apéro. Il vient de m'appeler pour dire que ça va. Oh. J'ai une bonne nouvelle. La voiture est enfin prête pour la route. Ah, au fait, vous pourriez la redécorer aussi. Enfin, non, mais on va pas pimper la régalia, madame. On va pas du tout... on va pas du tout aller mettre des flammes sur la bagnole. Non. Non, ça va, merci. Elle vous attend au garage. Génial. J'arrive, je me change, pas de soucis. Salut Arta! Comment ça va? Par contre, il va faire nuit. Donc là, il va falloir qu'on aille à un sanctuaire, je pense, parce que sinon, on va se faire Hagra. Et après, on ira faire les contrats de chasse. Et après seulement, on partira avec la bagnole. On va aller là-bas. Sinon, on va se faire détruire là la nuit. Ça va être. Regarder la jauge du réservoir. Est-ce que je peux passer par là? Ouais. Perso, ça me passe au-dessus de la tête. Comme 90% des choses dans l'existence. Merci Paul Pat Pat Queenie, je vais aller amuser bien avec les bébous de chat, des bisous doux et bon stream. Merci beaucoup Queenie. Des gros bisous à toi. J'espère que ta journée se passe bien en tout cas. Et je suis en train d'être dans un sac de cul, je vais me faire mais détruire. Oh, les trucs à ramasser. Des œufs. C'est pour Ignis ça. Attends, mais il fait vraiment nuit, je vais vraiment me faire détruire le cul genre. Mais ça va super, Arta, merci, merci. T'as passé une bonne journée? Vite, dépêchez-vous, il est 19h, il va faire nuit, on va se faire tuer. Parce qu'ils sont vénères, je crois, les démons, la nuit, de ce que je me souviens, ils font pas de bien. Vraiment, ils font pas bien, ils font mal. Ils font bobo. Oh mon dieu. Il reste encore tellement de route. Oh putain. Inch'Allah, priez pour le salut de notre âme. En plus, je crois qu'ils... Ah oui, ils ont des petites lumières. C'est bon, ça se met tout seul. Ouais. C'est pas cool de faire attendre Cindy. On ferait mieux d'aller au garage pour... C'est quoi ça? C'est faire... Ah... Je me suis... qui est passé sur moi. La vie a tout emporté. C'est un très gros oisal. On se casse. Je crois que lui, on va le tabasser un moment. Mais pour le moment, c'est pas... c'est pas le moment d'attendre, en fait. On se casse. Non! Non! On se bat pas, on n'a pas le temps! Non mais en vrai, quand vous appuyez et qu'il a pas de PM, on dirait qu'il fait un AVC. Genre regardez. Voilà, c'était l'imitation de la mort. Il y a des gros trucs qui font des bruits là. Non, j'attaque pas, moi je me casse. Il est fatigué. Ouais, on dirait que tu lui donnes une migraine un peu. Tu recommences le jeu? Oui, 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 oui. On recommence cette magnifique aventure. Et on va vite se mettre au sanctuaire avant qu'on se fasse détruire le Huc. Et oui, il faut ramasser de la magie.
Merde. Ah ok, il faut rester appuyé, je suis un peu con. Et je crois qu'il y a, toutes les magies autour d'un sanctuaire. Je crois. C'est quoi ce bruit? Bah non, il n'y a pas toutes les magies en fait, je pensais, mais non. Ok. Oui, bah c'est bon! Enfin arrivé. Camper. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Je vais en profiter pour faire l'inventaire de nos denrées. Les fameuses denrées. Je pensais aussi... Bah ouais, j'avais comme souvenir qu'il y avait des tous les points de magie. J'aime trop ces scènes-là, c'est trop stylé. Ils ont été faire les courses, je ne sais pas où du coup, puisqu'il n'y a pas de magasin, mais... Mais soit. Et il n'y a pas non plus de sac à dos en fait, donc comment ils ont sorti les tables et tout? Enfin bref, la meuf relou. Regarde sur la carte pour voir si t'as pas une icône appelée voyageur d'un autre monde. Je sais pas si, si je peux voir ça maintenant. Oh coucou Ryukai! Hello, hello! Salut! Merci beaucoup pour le raid! Bienvenue! Comment ça va? Coming for you! Na 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 na! Salut Knight! Comment tu vas? Comment tu vas? Merci beaucoup pour le raid, Ryukai! Comment ça s'est passé ton stream? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Dis-nous tout! Dis-nous tout, dis-nous tout! Je vais juste fermer un peu mon volet. J'arrive. Je vais enlever Violette aussi. Ça va et toi? Ça va super, merci, ça va super. On est en, plein début de Let's Play sur, sur Final Fantasy 15. Je ne sais pas si, je ne sais pas si tu connais. Mais voilà, voilà, voilà. J'ai fait du Summoner War Chronicle. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Et salut Golden, merci beaucoup pour ton, lurk. Merci beaucoup. Pizza! Est-ce qu'on va prendre un bonus en vrai? Est-ce qu'on prend ça? Non, faut prendre un bonus d'XP. Bonus de PV, bonus d'attaque. En fait, il n'y a pas de bonus d'XP. Bonus de PV. Endurance infinie. Ah, c'est bien ça. PV maximum. En vrai, il faut prendre un truc qui pour le farm. Donc peut-être de l'attaque et du PV. Oui, mais là, c'est le seul Final Fantasy que je hais. Comment tu peux détester FF15? Comment tu peux? T'as mis en japonais? Non, j'ai mis en FR. Tant qu'à travailler comme hier, autant poser mon lurk ici. Bon courage, Golden, du coup, pour ton travail. Les bonus XP, c'est pas pour tout de suite. Ouais, ouais. J'ai vraiment détesté le jeu. Comment c'est possible? Je suis désolée, Ryukai, hein. Tu es quelqu'un de très sympathique, sûrement. Mais ici, on est des fanboys de FF15, FF14, FF7, FF10. Voilà. Mais alors, je comprends pas comment tu peux détester FF15! Après, peut-être que tu t'attendais et tout à d'autres trucs, mais je trouve qu'il est incroyable ce jeu. Et salut, boy, comment ça va? J'ai trouvé qu'on se foutait de ma gueule. Mais non, non. FR, non, les voix FR, elles sont incroyables. Nul Final Fantasy. Mais qu'est-ce que vous faites là si vous aimez pas Final Fantasy en fait? La magie, j'ai détesté le scénar, je l'ai trouvé honteux. On va pas discuter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis beaucoup trop fan pour pouvoir accepter ça. Ça va super, merci. D'ailleurs, la bouffe qui donne trop envie de bouffer dans ce jeu, c'est terrible. Point, 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 point. Waouh! Hey, on a pris quand même 2-3 le niveau là, c'est cool! Prompto prend des photos au cours de ses voyages, vu que ça je sais. Oh, Hanu! Salut Hanu! Arushuna -CH mange de la pizza depuis 2 mois. 2 mois et. Et salut Hanu! Merci beaucoup pour ton 2e mois! What? Mais Hanu! Merci beaucoup Halu pour les 7 subs offerts. Merci beaucoup madame. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas?
Oh mon dieu. Merci beaucoup. Peut-être le produit final mensonger par rapport aux promesses. Ça, je peux comprendre en vrai, mais ça l'enlève en rien que l'histoire est trop cool de ce jeu. Très bien, et toi, ma belle? Bah écoute, ça va super. Comment s'est passé ton stream d'ailleurs, Halu? N'hésitez pas à aller voir Halu, les gars. Comment ça s'est passé? J'ai vu que tu faisais du Escape the Backroom, je crois. Je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai crié, j'ai plus de voix. Oh no. Comment on fait déjà pour enregistrer? Je vais enregistrer toutes les photos parce que je suis une grande malade. Regardez-moi la chaudière. La magnifique chaudière. Je vais me commander un pacemaker. Si tu veux, je pourrais te donner la ref du mien si t'as besoin d'une ref, au cas où. Regardez-moi ces gros beaux gosses, là. Comment on peut pas aimer FF15? Faut pas avoir de goût. Faut surtout pas avoir de cœur. Au plaisir. Yay. Bah écoute, j'essaierai de... Wow, elle est cool, celle-là. Non, elle est nulle. J'essaierai de t'envoyer ça, du coup, si j'y pense après le stream. Et ça va super, Knight, merci beaucoup. Comment ça s'est passé ta journée? Oh, regardez-moi les fesses de Noctis. Regardez les fesses de Noctis. Mais c'est pas Noctis. Si, peut-être, je sais pas. Ça revient à dire, j'aime pas Elden Ring. Après, oui, voilà, comme dit Piano, c'est les goûts. Hein. Pourtant, je les ai tous adorés. Voir sacralisé du 3 au 14. Oh, c'est triste en vrai. Ah, qu'est-ce que... Y a un truc bizarre? Non, rien. J'y ai rêvé. Y a un oiseau là, non? En vrai, je suis triste que vous ayez pas aimé FF15 parce que je le trouve incroyable, le jeu. Pour ton zbou bâton. Oh, je voulais participer, moi. T'es trop shoot, merci beaucoup, Halu. Merci infiniment. J'ai vu le film Kingslave et ça m'a fait plus rêver. Le film Kingslave est trop cool pour le coup. J'aurais aimé l'apprécier vraiment. Je comprends pas comment on fait pour pas l'aimer en vrai parce qu'il est vraiment trop cool. Hein. J'allais me faire à goûter. Oui, n'hésitez pas à prendre votre goûter les loulous. Ouais, franchement le film est trop cool. Oh là là. Regarde-moi cette pose de Chad. Noct, tu aurais un moment? Ouais. Demain matin. T'as un candy up. Oh. J'aurais besoin de ton aide en fait. Allez, gâte. Le matin? Pourquoi faire? Tu m'aiderais à préparer le petit déjeuner? On dirait une proposition un peu d'amoureux, genre tu m'aiderais à préparer le petit déjeuner, chérie? On va dire oui. Parce que c'est les potes avant tout. Ouais, il faut bien manger. Bon, je compte sur toi demain. Je suis comme toi, Ryukai, du coup je regarde d'aller l'apprécier. Ah là là, vous me brisez le cœur. Ignis, c'est le bro de fou. D'ailleurs, dès le début du jeu, j'avais déjà une larme qui était tombée. Juste à entendre une musique, c'est fou. C'est terrible. Je vais en lurk, d'ailleurs, je te surveille. Pas de soucis, Halu, merci beaucoup pour ton lurk. Et goûte bien. Retrouver au compagnon à l'op pour une quête en duo. Ah, c'est pour ça, j'aurais peut-être pas dû dire oui, du coup. Il faut que tu fasses mijoter ça. Mais il faut pas que ça brûle. Et comment je fais? Il suffit simplement de remuer un peu de temps en temps. Beaucoup de moments, non mais c'est normal entre bros. Ouais. Regardez-le, il cuisine, ça me foudroie. Les ingrédients vont mijoter. Vous ne devez pas arrêter de remuer en parlant, sinon la nourriture pourrait attacher et brûler la casserole. Bon, c'est moi, l'un... Quoi? Pas l'un des tchads, pas lui. Coucou Kirito. Et non, franchement, c'est lui le tchad, hein, désolé. J'ai un seul point positif pour FF15, c'est les cinématiques des invocations qui sont magnifiques. Y a pas que ça qui est magnifique dans FF15, mais soit. Quand as-tu cuisiné pour la dernière fois? Oula, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié. Quand tu bossais à mi-temps au resto? Comment on tourne? C'est possible. En tout cas, on peut comme pas ça. Dire que ça me passionnait. Je me demande si on pouvait appeler ça de la cuisine. Pas selon tes critères, j'imagine. Je crois que je trouve pas assez fort. Alors, voyons comment ça mijote tout ça. C'est pas encore tout à fait prêt. Continue de touiller. Si regardez comment pas. Il s'approche trop près de mon homme là, c'est trop... Il a dit, c'est pas tout à fait prêt. Tu m'as donné envie de jouer au jeu, il y a tout le royal qui s'installe. Let's go Knight, let's go. Mais bon, au moins j'aurais essayé et fini le jeu. Ouais, au moins t'as eu le mérite de l'avoir fait. Ça c'est cool par contre. Vous ne devez pas vous arrêter de remuer en parlant, sinon la route... Ouais, ok, blabla. Mais au fait, pourquoi est-ce que tu voulais que je t'aide à faire la cuisine? À vrai dire, je voulais créer une occasion de discuter tous les deux. Mais regardez comment il est! Tu voulais me cuisiner, quoi?
Écoutez les dialogues. T'as jamais arrêté de t'inquiéter pour moi. Hein. C'est le rôle que m'a confié Sa Majesté. Tu parles. Il y a des trucs que j'avais complètement oubliés. Ça doit être prêt maintenant. C'est pas mal du tout. Tu devrais en goûter un peu. C'est trop romantique là. Tu vois, non, c'est bon, mais c'est pas aussi bon que d'habitude. Je pense qu'il aurait fallu touiller un petit peu plus. C'est vachement plus difficile que je le croyais. T'es vraiment doué, toi. J'ai surtout beaucoup d'entraînement avec vous. On crèverait de faim sans toi. Ça me... je suis irritée, là. Ça fait quoi de se remettre derrière les fourneaux? ça me gêne pas si ça devient pas une habitude. Il me reste à faire effet 16 et je les aurais tous fait, sauf le 11. Oh. Tu sais pas ce que tu rates. 1 et 2, c'est rude de se mettre dedans. Bah, c'est vieux aussi, hein. Peut-être que je verrai ça un jour. Demain matin. On n'a qu'à dire le mois prochain, non? Merci, tu m'as bien aidé. Ah ouais, sérieux? Bah tant mieux alors, je suis ravi. Il va lui mettre une main au cul, c'est sûr. C'est sûr. Mon dieu, vous avez gagné 20 PC, ça c'est cool par contre. Ça c'est très cool. Du coup, fallait qu'on fasse les quêtes secondaires maintenant qu'on est un peu plus haut level. On peut faire celle-ci. Donc on va aller faire celle-là. Je veux entrer dans l'écran. Moi aussi. J'ai glissé, vous avez vu ou pas? Il a glissé. Attendez, je recommence. Ça y est, on y est. Regardez les dérapages qui se fait, genre. Miaoum. Attends, j'arrive plus. Miaoum. Miaoum. Ça me fout droit. On dirait un gogol. Miaoum. J'arrête. J'aurais eu les sous, j'aurais pris la collector d'FF16. Franchement, la collector d'FF16, incroyable. D'ailleurs, FF16, truc que j'ai jamais... Enfin, j'ai rien regardé d'FF16. J'ai regardé qu'un seul des trailers. Pour pas me faire spoil quoi que ce soit. Et j'irai voir aucun stream. Pour pas me faire spoil quoi que ce soit. C'est mort, je veux tout. Je veux tout découvrir. Et salut, Attends, Antari. Comment tu veux que je t'appelle? Salut, comment tu vas? J'en ai vu aucun aussi. Non, franchement, il faut faire full découverte. Madame, votre vocabulaire, il est légèrement trop familier. M'en fous! Comme la seconde fois, madame. Entari, du coup. Oh putain. Comment tu vas? Comment tu vas? Oh! Laissez-moi jouer! Je pense pas à parade, je suis un peu nulle. C'est peut-être pas la bonne arme, hein. Non, alors je voulais aller là-bas. Mais je voulais aller là! Mais... Oh putain, merde. Mais va là-bas! Va prendre ton truc! Ah, attendez! Voilà, c'est bon. Oh la noob! Ah bah c'est bon, easy en fait, on a réussi. Mais j'ai hâte, en plus ça sort à peu près au même moment que Zelda. Mais en vrai je suis maudite parce qu'il y a tellement de jeux qui vont sortir et que je ne peux pas faire, Zelda y compris, je suis dégoûtée. Genre il y a Zelda qui me casse les couilles, il y a FF16 qui me casse les couilles, et puis il y a FF7 Remake 2 qui me casse les couilles, il y a Resident Evil que j'ai pas pu faire parce que j'ai pas ce qu'il faut. Enfin c'est terrible, je suis terriblement dégoûtée. C'est terrible. Je suis en train de subir une très grave maladie au doux nom de crève. Et vous tous, ça va? Oh mon dieu. Bon courage, bon courage. Eh bien écoute, moi ça va super, je suis très contente de retourner sur un de mes jeux préférés. Donc je suis très heureuse, vraiment. Essaye de trouver un pampa, tu auras plein d'XP. Dans le jeu, un pampa là? Mais comment tu veux que je trouve un pampa? T'as pas la Switch? Si, mais j'ai pas de boîtier d'acquisition pour la Switch. Du coup, je vais peut-être devoir attendre pour Zelda un... Une... Comment on dit? Comment on dit? Un émulateur, putain. Voilà, chercher le mot. Merci pour le pat-pat, Kirito. Une suggestion utile pour changer. Comment ça pour changer? Et j'ai pas de PS5, effectivement. Oui. Je meurs de faim, moi. Tu peux le faire, mais hors stream. Ouais, mais je veux le faire en stream, moi. C'est hyper dur à trouver. Bah, surtout que ça va être un nouveau jeu, donc ça va pas être tout de suite l'émulateur.
J'étais dans le même cas que moi, j'ai pas de boîtier. En plus, ça coûte super cher. Enfin, j'en ai un d'Amazon à 20€, mais j'ai un décalage horrible pour jouer. Genre vraiment, j'ai essayé de faire Breath of... Non, c'était Skyward Sword en stream. Le remake, du coup, sur Switch. Enfin, le remake, le remaster. Et j'avais beaucoup trop de décalage. Du coup, j'ai jamais pu faire de Zelda pour l'instant en stream. Je suis un peu triste. Parce que j'adore Zelda. Je me permets d'écrire une critique sur votre chat. J'ai détesté FF15 en raison de son scénario, mais l'univers et le gameplay est cool. Je suis désolée, mais ici on est fan d'FF15, donc on comprend pas les gens comme vous. Surtout pas le PC à côté des consoles, alors émulateur Switch. Ouais, non, mais. C'est pas prêt de sortir, non, c'est pas prêt de sortir, je pense. Il y a déjà Skyward Sword en émulateur, mais il y aura certainement pas tout de suite le dernier Breath of the Wild. Enfin, le dernier Breath of the Wild, on s'est compris. Pour le décalage, j'ai une solution, je crois que c'est moi qui t'avais conseillé le boîtier. Je sais pas du tout. Le boîtier, c'est celui à 20€ de base, là, tu sais, sur Amazon. Vous c'est 8 Skyward Sword. Ouais. Bah, à part le remaster, du coup, mais... Belle performance. Mais je l'ai vu sur émulateur de Switch, en fait, le Skyward Sword, c'est pour ça que je dis ça. Vous voulez quelque chose à manger ? J'espère que vous êtes satisfait et que vous reviendrez. Ouais, on reviendra, ouais, de fou. Mais avant ça, il faut qu'on prenne la quête. Faut qu'on récupère la Réré. Ah, mais il y en a un. D'émulateur de Switch ? Oui. Je crois. Si je dis pas de conneries, normalement. Je regarde juste mes quêtes. En fait, j'ai peur de faire ça. Je me dis, je suis peut-être pas assez haut level. On va essayer. Vous savez quoi ? On va essayer. Ça marche, ça, c'est limite. Surtout pour ceux qui ont grandi à la ville. On a sûrement le même d'ailleurs l'idée et de mettre un délai sur ta capture de boîtier de 3,2 secondes et c'est réglé. Ok, on y va. Faudra peut-être que tu viennes m'expliquer un peu plus parce que j'avoue que déjà rien que... Alors déjà je suis une merde en informatique, tout ça, je comprends rien. Je sais pas faire certaines choses, je suis vraiment très limitée en connaissances, voilà. Mais rien que de le paramétrer, j'avais galéré à l'époque... J'avais beaucoup galéré déjà à le paramétrer de base, alors le changer avec les secondes et tout, ça va être très complexe. On s'en fout, c'est pas ça qu'on est venu chercher. Enfin, je crois pas. Faut tuer des mesmenirs. Merde, y'a un mur. Maintenant que les Pixel Remaster sont sortis sur Play, on peut pratiquement faire toute la série. C'est quoi Pixel Remaster? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je rejoins ton Didi et je te MP si jamais tu veux voir. Ouais, pas de soucis. Je crois que c'est la lance pour eux. Oh, on est dragoon! Non, c'est pas du tout la lance. Ça, c'est pas assez rapide. Ah, mais je suis con, j'ai oublié, j'avais ça! Attendez, j'ai un problème de micro. Ah merde! Mais on fait pas de dégâts, c'est ça qui est terrible. J'ai pris des gros coups de corne dans la gueule. Par contre ça c'est terrible, hein. Il veut pas aller là-bas. Ah mais la carte! Mais va là-bas! À l'aide. Mais regardez, il va pas aller là-bas! Ah, bon, c'est pas grave. Hey, prompto! Attention à pas glisser! Oh, le combat de teuteux! Au secours! Ignace, soyons précis! Prompto, tu gères? À l'attaque! Waouh! Stylé! Mais l'aide, maman, au secours! Si t'étais dragoon, tu serais morte. Je joue pas dragoon sur FF, du coup j'ai pas la ref. Enfin, je sais pas. Ouais, peut-être que je monte le dragoon d'ailleurs. Ah, mais c'est long à tuer cette merde! Okay.
Les balles dans l'entrecôte. Oh putain, merde, je suis tombé sur le caillou. Mais wesh. Attendez, j'ai un problème. Bim, le tourbillon là, dans la veine. Mais il faut vraiment aller là-bas en fait, monsieur. Mais il va là-bas! Il veut pas se retirer, je comprends pas pourquoi il veut pas aller là-bas, c'est très chiant. Ah mais c'est parce que faut que je reste longtemps appuyé, je suis débile! Je suis débile! Cette fois, la peur va changer de corps. Le cliché du drag qui tanque le sol. Oui, clairement. El famoso. Oh putain, on a réussi. Oui, très proche. Petite Dae, je vais le reculer, j'ai un petit creux. Pas de soucis, bon appétit Ryukai. Et merci pour le pat-pat otaku. En fait, ce qui allait pas avec mon truc, j'arrivais pas à me retirer parce que j'oublie qu'il faut que je reste appuyé sur mon truc pour aller me recharger en Eclipse. Enfin, en PM. Faut que je fasse un rapport à l'informateur. Nickel. Désolée pour mes combats catastrophiques, il faut que je prenne le coup. C'est terrible. Est-ce que j'ai pas un autre... Je crois que j'ai un autre truc, mais ça risque d'être compliqué, là. Level 7. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'y arriver. En plus, c'est loin. N'oubliez pas que les animaux sont... Ça va être tranquille. Casse-toi, je m'occupe de ton pote, là. Voilà, et là c'était propre là. Là c'était propre. On leur a cassé la gueule. Bim. Y'a pas l'autorun, je crois. J'allais lâcher mon truc comme sur la FF14. J'ai sûrement loupé des messages d'ailleurs, attends. Je sais pas si j'ai tout vu. Maintenant... Ah oui, ça je l'avais. Ok. Les pixels machin. Du coup, c'était quoi le bail de pixel remaster? Bon, on va jusqu'où? Il est encore tôt. On verra. Pardon, j'ai mangé le mur. Pardon. Pourquoi il n'y a pas de musique? J'ai écrit un tuto d'une ligne comme ça, si jamais tu n'as pas spécialement envie de parler avec un random sur Divi, tu sauras ce que je voulais dire. Non mais y a pas de soucis, t'inquiète pas. Hein. De toute façon, je vais sûrement te poser des questions si je comprends pas, donc... Les 6 premiers FF, ah ok. J'avoue que les vieux FF, j'ai jamais fait. Enfin, peut-être que je regarde peut-être un let's play. Ouah, un let's play ou un truc, je sais pas. Parce que y jouer, ça va être chiant, je pense. Mais ouais. J'ai pas fait tous les FF. J'ai beau être fan des FF, je suis pas très à jour. J'ai pas tout fait. Moi, j'avoue, j'ai pas trouvé un endroit où l'acheter. J'avoue que je sais pas si quelqu'un sur le chat pourrait t'aider en vrai. Mais j'ai pas les connaissances pour le coup. Mais ça doit sûrement se trouver en vrai. Ça, par contre, c'est chiant que ça met plein de tutos comme ça au-dessus de ma tête là. C'est sympa, mais balèque. Merci Gladio, enfin Prompto. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Non, bah non, t'as dit que c'était pas le moment. Bon, est-ce qu'on va se faire dérouiller le cul ou pas? Mais comme c'est une level 7, j'ai peur qu'on se fasse défoncer. Ça va être sûrement le cas d'ailleurs. Merde. Ah, on a trouvé ce qu'on cherchait.
Oh, leur enlève que dalle. Hein. Ça va être si long. C'est bon. C'est lequel qu'on visait là? Bah, on s'en fout, pas là. Vise bien, wesh. Allez, défends-lui la gueule, Gladio, au cours. On voit rien. Oh, le buisson qui fait chier. Oh la vache. J'avais loupé, enfin j'avais oublié que Ignis c'était ça son truc. Un coup de... Oh! Et oui, ça me dit bien un truc, Entari, on te connaît. Mais oui, on l'a déjà raid, Entari! Et coucou Sokka! Comment tu vas, Sokka? Hello, hello! Oui, tu étais même sur LOL, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, on y arrive, regardez! Quand on se concentre et que tout se passe bien... On fait des dégâts. Les petits combos dans le dos là. Oh la vache. Ça c'est bien ça. Bim. Oh merde, j'ai loupé. Voilà. Eh, on a réussi un truc level 7. Let's go. Merci pour le 10K, je vais prendre à boire, je vois ça. Mais de rien, avec plaisir. En plus, ton avatar, je me rappelle, il était vraiment très très cool. Ça va, merci du FF15, j'adore. Oui, on refait l'aventure de FF15, Sokka. Donc bah, j'espère que tu te plairas pendant ce party let's play. Est-ce qu'on peut se TP rapidement? Je sais plus dans ce jeu. Je crois pas qu'on puisse se TP. C'est tout à pied, je crois. C'est quand t'as la voiture qu'on peut se TP. Quoi, bah go à pied, hein. Ça va nous faire un petit moment chill. J'ai un gros souci pour live en ce moment. Motivation, maladie, aucun jeu précis. Si jamais t'as une solution, j'aimerais avoir une sacrée ordonnance. Après, si t'as pas l'envie, si t'as pas la motif, déjà, faut pas se forcer. Mais après, au niveau des jeux, il y en a tellement de jeux. Ça dépend de ce que t'as envie de faire. Après, si tu te poses la question, est-ce qu'un tel des jeux va plaire ou pas, franchement... Franchement, aux FTR en fait, tant que tu te fais plaisir et que tu fais un jeu que t'aimes, c'est le principal en vrai. Donc, un conseil, juste kiffe si t'as envie de kiffer et si t'as pas envie de stream, te force pas parce que ça sert à rien de se forcer. Avec la voiture seulement et juste les parkings et villes. Ouais, après c'est avec le bail de Chocobo là, à louer et tout. Mais vu comme les Chocobos, c'est pas du tout tout de suite, je crois. On a encore le temps avant d'avoir un Jean Fiac be-like. Jean Fiac, pour ceux qui savent, c'est mon chocobo dans FF14. Je l'ai vraiment appelé Jean Huc. Donc, on va avoir un Jean Huc dans FF15, mais pas tout de suite. Là-bas, je suis un gros joueur de DMC. Speedrun, top 20 world à l'époque. Mais il n'y a plus R qui sort d'intéressant. Mais après, est-ce que t'as d'autres jeux que t'aimerais bien? Je sais pas, il y a tellement de licences de jeux. Après, tu peux refaire des speedruns, je sais pas, sur Zelda, si t'aimes bien l'univers de Zelda. Il y a des speedruns sur les Souls aussi, si t'as envie de faire des Souls. Je sais pas, ça dépend aussi ce que t'as envie de tester. Même si t'aimes pas, admettons, un jeu que tu proposes une fois en stream, rien ne t'empêche de le changer et d'en faire un autre après. Je crois que c'est après la baie de Galdina. Ouais, je crois aussi, ouais. Mais on va pas tarder à y aller à la baie de Galdina, là. On finit un petit peu les quêtes secondaires, histoire d'être bien niveau level. Et après, on ira à la baie de Galdina. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette zone, ça fait penser à Costa del Sol. Si c'est pas du tout Costa del Sol, je crois que c'est ça en vrai.
Enfin, je sais pas. Faut que je me motive. Mais oui. Mais oui, mais oui. Après, si ça fait vraiment longtemps que t'as pas stream, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre de revenir. Mais une fois que t'as lancé, c'est lancé, quoi. C'est juste, bah, il faut lancer. C'est surtout ça. Désolée d'avoir parlé de ma sublime personne et d'avoir monopolisé votre temps. Mais il n'y a aucun problème. On a le temps de parler. On était en train de marcher. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Et puis, bah, on est sur un let's play tout chill. Donc si on peut parler tous ensemble, c'est trop cool. Faut pas que je fasse un monologue non plus, donc... Oh, bah oui, c'est nous. Bah oui, c'est nous. Donne-nous bon notre travail. Argent, merci. Bah pour me motiver, j'ai commandé un design histoire de changer l'ambiance. Ouh, en vrai, c'est une bonne façon de se remotiver. De changer un petit peu son avatar et d'avoir un... Son avatar ou même ses overlays, tu vois, d'avoir un petit coup de vent frais. Vous voulez des infos sur la région ? Est-ce qu'il y a d'autres contrats ? Faites votre choix. Non. On a tout fait. Ok. Il faudrait faire le plein de vitamines. Prout. Pouet, pouet, chadoudou. Chidoudoudou. Eh bien, voilà. On va reprendre la quête principale, du coup. Overlay seulement, j'ai pas de quoi dépenser 2000€. Non, mais vraiment, oui, t'inquiète. Hein. C'est la même un peu de mon côté. Mais rien que les overlays, ça fait du bien, tu vois. Voyons ce qu'il nous propose. On a déjà tout le nécessaire et même le superflu. Écoute, on dépense jamais assez. Bien, vive la thune. Super potion, queue de phénix, antidote. On n'a pas vraiment besoin de ça. Kit de réparation. Un ensemble d'outils et de pièces de rechange. Il ne convient pas à la régalia. Oh, il y a des autocollants. Et il y a des musiques. L'art des couleurs niveau intermédiaire. Un traité sur les couleurs de niveau intermédiaire permet de peindre la régalia. Regardez, on peut mettre des flammes sur la régalia. Oh mon dieu, non, on va jamais faire ça. Noct, qu'est-ce que tu penses de ça? Quoi donc? Ils ont vraiment... De quoi tu me parles? J'ai loupé... C'est le moment de faire une petite révision. Apportez votre véhicule à Mered. Alors, quelles sont les nouvelles? On s'en fout. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me voulais? Bon bah tant pis. Hé hey, Noct, jette un coup d'œil. Quoi donc? Mais où? Pousse-toi! Mais putain! Mais... Il y avait un truc! Prompto! Oh, il y a du lubrifiant. Mais prompto, mais je vais pas... On dirait pas, je vais le déglinguer le long des... Qu'est-ce qu'il y a? On dirait pas, genre... Tu vois, je mets ma main comme ça au niveau de son cou et je le plaque. Je le plaque contre les... Contre les rayons. Oh, prompto. Oh oui. Putain, mais j'ai pas pu parler, j'ai pas pu voir son truc, je suis deg. Hé, hey, t'as vu ce truc? Quoi donc? Non mais ils se foutent de ma gueule. Qu'est-ce que t'as? J'ai vu. Ils se foutent de ma gueule en fait. C'est vraiment du foutage de gueule. Je me casse. Putain. Non c'est pas ça. Parlons monsieur. Surtout pas regarder. Qu'est-ce qui... C'est bien ça ou pas? Oh le petit pixel art où il y a Noctis qui bouge, ça me foudre. Lame motorisée. Régis a offert cette épée à Noctis. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça. Une épée à la fois robuste et facile à manier, facilitant les coups critiques. On se l'achète, hein. Les affaires sont les affaires. Bah oui, vive la bagarre. Oh, mais regardez Noctis. Mais je veux que Noctis me regarde comme ça. Regardez-le, il est si hautain. Toi, je vais te démarrer, toi. Toi, je te démarre. Toi, là, je... Oh. Bref. Équipement. L'épée à deux mains, j'aime pas. Donc, on va mettre ça. Voilà. Toi, je te parle après. Faut que je fouille le garage. Queue de phénix. Oh, let's go. Mais toi aussi là, je vais te plaquer dans le garage là, comme ça là.
Tu m'étonnes qu'il y ait des fanfictions sur eux. Bordel. Ça a été un peu long, mais à mon avis, ça devrait vous plaire. Elle est presque trop belle pour rouler. Oui, la chaudière. La voilà. Prenons nos retrouvailles en photo. Oh, cette photo, elle est iconique. Hein. Raison de plus pour en prendre soin. Ah, dites, avant que j'oublie, vous pourriez effectuer une petite livraison ? Voilà, la Michto qui nous donne de l'argent et après qui nous demande des trucs. On va dire oui parce que c'est une chaudière. Ouais, pas de problème. Ah, génial, cool ! Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Tel grand-père, telle petite fille. Noct, la voiture est toute belle. Et prête pour la route. Tu veux prendre le volant ? On n'a plus rien à faire, hein, donc bah let's go. Hein. Ouais, pourquoi pas ? Pas besoin de te dire d'être prudent. Oula, t'es caté ! Ah, j'oubliais. Avant de partir d'ici, ça vous dit de la customiser ? Si on peut mettre des flammes... Alors attendez, faire du tuning ! Et si on met des flammes sur la Regalia, ça se passe comment, là ? Non mais attendez, mais c'est quand même... Enfin moi, ça me... Ta teinte préférée. Ça fait voir. Comment on fait pour voir ? Non mais je peux pas... Oh, en bleu nuit, en vrai, elle est stylée. Pas les flammes, pour l'amour de Dieu ! Choisis la couleur intérieure. Je crois que je peux pas. J'ai pas de... Non mais je veux tout enlever moi. Autocollant si. Je peux te proposer actuellement. Putain, il y a des autocollants Cindy. Tu veux quel autocollant ? Regardez ! Il y a autocollant chaudière. T'as trouvé quelque chose ? Tu veux quel autocollant ? Tu veux quel autocollant ? T'as trouvé quelque chose ? Tu veux quel autocollant ? Tu veux quel autocollant ? Non, il n'y a pas de flammes, je suis assez détruite. Hein. Je voulais des flammes. Quelque chose ? Non mais ta gueule, s'il te plaît. Tu veux quel autocollant ? Tu veux quel autocollant ? Non mais c'est mort, hein. Je change rien à la Regalia. Hein. Merci, au revoir. Attends, me dis pas que je l'ai changé sans faire exprès. Non, ça va. Allez, on se casse. Mais elle est folle, elle. Hein. On va conduire nous-mêmes. En avant. On y va ? On va faire un petit GTA comme ça, là. Alors. L'autocollant. Wagonné. Cindy, meilleur mécano. Bah, c'est pas compliqué, c'est la seule. Allez, où ma quête principale ? Bah, elle est là-bas. Comment on démarre ? Attends, on dirait j'apprends à conduire pour la première on fois de ma vie. Là. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas si tu as vu, madame, il y a Violette qui a été demandée. Ah non, j'ai pas vu ! My bad, désolé, j'ai pas vu. Attendez, je vous mets la violette. Oh, j'ai vraiment pas vu, je suis navrée. Bougez pas. Violette. Invocation violette, ploup. Voilà. Pardon. Conduite manuelle, ouais, mais du coup, j'ai pas... Okay. On y va. Accéléré. Ah, c'est ça. Oh, bordel. C'est ça, Violette ? Oui ! C'est un lapin. Putain, mais c'est quoi cette merde ? Oh putain, vous sentez ou pas que je vais défoncer la Regalia ? Tourne, mais tourne ! Bon bah, let's go, hein ! Sur ce magnifique coucher de soleil, j'aurais peut-être dû dormir avant. Hammerhead, c'est quand même un super garage. Le contraire serait étonnant. Il est tenu par un mécanicien royal. Mais quand on sera rentré, on pourra plus y aller, pas vrai ? Hein ? Tu pourras y aller autant que tu veux. Qu'est-ce qui t'en empêche ? T'es assez grand ? Si ça se trouve, Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as pas. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Je pourrais toujours te prêter la Regalia, si tu veux. Oh, t'es sérieux ? Ah, non mais... Prompto qui veut se faire Cindy. Je peux pas faire ça. Une fois qu'on sera rentré, je me paierai ma propre voiture. En VO, j'entends Sidonie. Sérieux ? Le concept de road trip est tellement bien.
C'est incroyable, hein, le... Oh, il y a ma souris qui fait chier, je suis désolée. Le concept de road trip comme ça, c'est entre potes et tout, c'est trop cool. C'est trop trop cool. En plus, j'ai mis le prologue en musique, là. On va se foutre en l'air. Sauf que je vais devoir m'arrêter parce qu'il va faire nuit. Ça avait déjà terminé le jeu, j'ai envie de parler d'un truc lié à la voiture. Oui, j'ai déjà terminé le jeu. Bah d'ailleurs, on va se garer. Bon, allez. J'ai déjà terminé le jeu plus d'une fois. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai joué qu'une seule fois, mais après j'ai regardé plein de let's play où j'ai plus de PS4. Bien, quel est le programme? Mais fais attention parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont pas joué au jeu, j'ai pas trop envie de les spoil, mais ça dépend ce que tu veux dire en fonction de la bagnole. Mais je crois que je suis pas partie du bon côté en vrai. Hein. Je crois que je suis vraiment pas partie du bon côté. La musique d'intro de l'amour quand il pousse la voiture. Oui, Stand By Me, incroyable. La voiture volante entre nous, horreur non. Bordel. La bagnole. Camper. Je me sens sale et poisseux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on bouffe? Est-ce qu'on mange un peu comme ce que je mangeais avant, c'est-à-dire du pain? Non, en vrai, ça sert à rien de manger. On est obligé, en vrai, de manger, je crois. Ah oui, on est obligé. On va prendre des onigiri. Pas besoin de beaucoup se battre, normalement, dans ce qui va arriver, donc... Et regardez comment ça... Regardez la texture de la bouffe. Moi, je vois ça, j'ai envie de... J'ai envie de tout bouffer. Inutilisable. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Du coup, normalement, on a pris pas mal de level, là. Hein, puisqu'on a tabassé des culs. Même pas. Ok, j'ai rien dit. On n'a pas pris de level du tout. On est nul. Salut, salut. Ici, je pose un leurre, j'ai pas le son. Salut, Shiro. Je sais que t'as pas le son, mais salut quand même. Et bah merci pour ton lurk. Merci, merci. Regardez-les avec leurs onigiri, là. Ils ont tout compris, ces beaux gueux. Giga Chad. Oh, mais Noctis, mais regarde-moi comme ça tous les jours. Étonnant. Un des rares clichés où on est ensemble. Ah, oh, mais comment j'assure quand je veux? Moi aussi, je veux me téléporter. C'est pas juste. Oh, le fiac de Gladio. Quel sens de la composition. Regardez-le, son petit sourire, rien que pour ça. On va la save. Par contre, cette photo... Beau cliché, bravo. Cette photo est trop cool. Avec la régalia, pas de photo ratée. Donc ça aussi, on la save. Oh, mais regardez cet homme, la petite barbe, là, comme ça. Un peu trop gros, les sourcils, mais sinon, la petite beubeur, le petit mulet et les tatouages Gladio. Step on me, quand tu veux. C'est tranquille ici. Le silence des ténèbres révèle ce que cachent les éclats de la ville. C'est bien gentil tout ça, mais faut pas oublier les choses qui se tapissent dans ces ténèbres. En fait, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter les balades nocturnes. Ignis, c'est Uriangée. Ouais, j'aime bien aussi. J'aurais jamais cru. Pourquoi? Bah, parce que t'es un prince. Et alors, les princes peuvent pas apprécier la nature? Hé, toc! Rien à voir, mais Irès, j'ai la coupe de cheveux de Gladio, sérieux? Oh là là, enfin pas aussi long derrière. Putain, mais en fait, t'es un Tchad en fait. Tu nous as caché ça? You are the Tchad. Est-ce qu'il y a de la... Ouais, il y a de la foudre. Il y a de la foudre à ramasser. Mais je suis con, en fait, c'est écrit sur la map ce qu'il y a à ramasser. Hop, alors reprenons la bagnole. Et allons ce coup-ci au bon endroit, parce que j'ai pas été du bon côté. Prêt à repartir, les gars? Ça oui! Allons-y! Ça dépend de ta définition de Tchad. Bah, cheveux longs, brun, yeux verts. Voilà. L'homme de mes rêves, finalement, Noctis, en fait. Prenons un nouveau départ. Comment ça, un nouveau départ, frérot? C'est bon, je pars du bon côté.
pardon, yeux gris. Jure! J'en ai jamais croisé des gens aux yeux gris, mis à part moi. Ma personne. L'ego de la meuf, tu sais. Mais pourquoi j'ai une quête là-bas? T'es belle. Oh, mais toi aussi t'es belle, Silly. C'est la première chose que je vous dis sur moi IRL d'ailleurs, que j'ai les yeux gris, je crois. On est Pokémon Shiny, je te jure. D'ailleurs, attendez, faut que je regarde comment on ouvre la map. Comme ça. Je sais pas du coup ce qui est... Non, je sais pas. Bref. Je sais pas pourquoi il y a un truc gris là, je sais pas ce que c'est. Je me rappelle plus de ce machin, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, c'est pas grave, quête principale. On reviendra pour du secondaire ici plus tard. C'est juste un point que t'as mis. Ah putain, oui, c'est vrai que j'ai mis un point. Merci. J'avais oublié. Comment je suis censée du coup tourner? Je crois qu'il y a un tournant plus loin. Et Gladio avec son petit livre là, c'est le seul que... Oh, il y avait le tournant ici, merde. C'est le seul qui, quand tu lis avec une décapotable, son livre ne se barre pas en couille. Comment on fait demi-tour? Mais frérot, fais demi-tour s'il te plaît. Attendez, j'ai un problème. Comment on recule? Comme ça. Bon, on fait marche arrière, ce sera plus simple. T'as la touche demi-tour. Ah oui? Bon bah c'est pas grave, on a réussi à faire avec oh là là. Ah bah j'ai eu mon permis en grillant un feu rouge IRL hein, donc vous allez pas m'en demander plus que ça, ok? Vous moquez pas. Ils foncent tellement les sourcils que le livre est pétrifié de peur, je te jure. Heureusement qu'aucun d'entre eux n'est malade en voiture. Putain, j'avoue. Attends, il dit que j'ai le mal des transports IRL, ça casse les couilles. Relou. Relou. Aïe, j'ai tapé le micro, pardon. D'ailleurs, je vois que le timer, il sort de mon cadre. Je me gare et je change ça. Il sort un peu du cadre, je crois. Ouais, il sort un tout petit peu du cadre. N'empêche, la bagnole, elle a une de ses gueules. C'est incroyable. Hein. On dirait une bonne grosse Chevrolet, là. Miam. Tu peux mettre en auto? Ouais, je sais, mais j'avais envie de conduire. Idem, je peux lire à peu près 5-10 minutes en voiture et après finito. Ouais, non, c'est un enfer. Même utiliser mon téléphone, je peux pas. À part sur l'autoroute, bien, où ça passe mieux. Je pense que t'as assez roulé comme ça. Il vaut mieux. Mais sinon, sur les petites routes et tout, si je regarde pas la route, adieu les sièges. Adieu, hein. Pain, 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 la pain, pain. Bougez pas, je dois changer mon petit timer. Je dois le mettre bien. Ça me stresse sinon. Hop. Alors, overlay, timer, c'est celui-là. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ta 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 la 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 la. Pourquoi mon truc il est complètement Ok, c'est bon, il est plus cassé. Voilà. Ok. Il faut que... Ok, il y a plein de trucs là, on va fouiller. Fouiller. Les petits aiguilles bleus là, à récupérer. Ça peut toujours servir. Là aussi, il y en a un. Oh, let's go. Important de fouiller toujours. Surtout sur FF15. Me sens mou avec ce temps. Ouais, je suis d'accord. Bah alors, Noctis, on est mou? Oh putain.
Notre chère mère récompensera vos efforts d'un bon plat si vous lui donnez le mot de passe tomate lucicienne. Eureka, qu'est-ce qu'il y a, Inès ? Oh ! J'ai pensé à une nouvelle recette. Le premier Eureka du jeu ! Eureka ! On a bien fait de lire ça. On a bien fait de lire ça. Ah, le mur ! El famoso Eureka. J'ai pensé à une nouvelle recette. D'ailleurs, je crève la dalle. C'est terrible. Oh, il y a des sacs à patates. C'est bon, là, il n'y a plus rien à ramasser. Doc, on devrait aller voir ça. Quoi donc ? Visiteur du désert de Weaver, prenez garde au Tahoti. Ah, rigole pas. Ouais. Bon bah on va... On est où ? Ah oui, c'est vrai qu'on est là. Ah ! Oh ! Ça là ! Il y a une photo à faire avec ça. J'en ai assez. Ah bah, c'était pas une partie de plaisir. Regardez, là, une binouze ! C'est Cruci ! La lumière est superbe ! Je vais manger à plus tard. A plus, Miguel ! Banap. Oh, la fameuse photo avec... On va l'appeler Cruci. Ça sera la mascotte. Cruci ! Akikikiki ! Oui, c'est toi ! Akikiki ! Oh, on peut jouer au flipper. Oh, ça coûte 10 guilles. Non, on est pauvre. Cruci is everywhere. Oui. Et salut Sio, comment ça va ? Confort, c'est la garantie de vacances calmes et réussies. La solution, l'hôtel Les Villes. Profitez de notre service 5 étoiles et passez un moment inoubliable. Toute notre équipe attend votre réservation et votre arrivée à l'hôtel. Dès aujourd'hui, vivez la vie. Ça sent très très bon. Toujours là au meilleur moment. Ça va, merci, toi, ça va super, merci. Un avis sur le love interest du jeu. Vous avez faim, j'espère. Je suis la femme de Noctis. Donc Luna, désolé, mais pas des os. Point, point, point. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tout est très bon ici. Oh, des frites. Mais regardez comment c'est cher la bouffe, c'est abusé. Cette mission n'est pas facile. Allez, les contrats de chasse, l'eau. On va prendre les deux. Bon courage. Pour l'XP. Non. Hop. Ce sera pas facile. Il y en a un, c'est la nuit. Je crois que c'était la nuit. Ouais, c'est la nuit. Je vous souhaite bon courage. Ben, on ira. On ira. Oh, ça donne envie de boire un truc frais. Je peux te préparer de l'eau si tu veux, Noctis Bibo. Y a pas de soucis. Oh, y a un truc bleu. Loup. Candy time. Le candy up. Attendez, y a la commande. Enfin, y'a la commande. Y'a le message programmé de la DAE. Le candy up choco. Ou rien! Rien du tout! Merci Siro pour le pat-pat! On a plein de choses à faire. Déjà, faut qu'on donne ça. Merci beaucoup. Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Vous inquiétez pas. On va sortir ça du coffre. Inutile de bouger la voiture. Oh, y'a un dogo. Oh, le dogo! Oui, c'est le dogo! C'est le fameux! C'est Umbra! Umbra, content de te voir. Oh, il a l'air tout doux. C'est un bon toutou, ça. Il a l'air tout doux. Ce chien a un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver ? Attends, bouge pas. Oh. La musique, elle est trop triste. Mon cœur. Les fleurs. Je trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Je m'en souviens. Les fleurs de cils. Noctis, quand tu entreras au Lucis, est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages ? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies, après avoir collé quelque chose dedans. Oh. Mais c'est le mien. Luna, dégage, c'est le mien. L'heure est venue pour moi de quitter Ténébrae.
On va lui dire ça. On va enfin se revoir. Même si, bah... Bon, Luna, c'est moi, ok ? Du coup, c'est bon. On dit des trucs sympas. Vivement FF16 pour un allié Dogo. On va pouvoir avoir un allié Dogo ? Voilà. C'est bon. Fais attention à toi. Oh, il a l'air si doudou. Au fait, Noct, oh. Tu nous l'as jamais montré, ce fameux bouquin ? Parce que ça te regarde pas. Bah quoi ? C'est un secret ? Il nous le dira pas. Prompto le forceur. Notre mission est accomplie. En route pour Galdina. Ah ! Oh putain ! Rally ! Coucou Rally ! Ah ! Bon, j'ai eu peur ! Comment ça va Rally ? Hello, hello ! Nya, 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 nya. Salut Rally, merci beaucoup pour le raid ! Comment tu vas, belle biche ? Comment tu vas ? Du coup, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée. Le son qui est pas très très fort, je suis désolée. C'était pour pas casser l'immersion dans FF, du coup j'ai baissé un peu. Mais ça va super, merci beaucoup Rinlu. Merci, merci. Qu'est-ce que tu as fait de bon en stream ? Je crois que tu dessinais, je crois. Je crois que t'as fait un espèce de masque. Heureux, heureux Chrissy, heureux, heureux. On contrôlera directement que le protagoniste, mais un Dogo pourra se battre avec nous, c'est trop stylé. Tu as fait ton masque ? Attends, tu vas faire un masque sur ton OC ? C'est trop stylé, ça. C'est trop classe. On va faire des quêtes, les quêtes de chasse. Avant toute chose. Where is it ? Là-bas. Hop là ! Petit fourbe. Oh là là. Ici le four. On y va. Hop. Je vais le faire imprimer pour le porter en convention pendant les streams cosplay pour garder mon anonymat. Oh, c'est trop stylé le concept. Oh, let's Après go. Le mariage, Dame Luna Freya et toi, vous retournerez à Insomnia ? Ah, je sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Oh, 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 oh. Qui aurait imaginé que t'allais te marier ? Dis-moi, ça te fait quel effet au juste ? Ouais, c'est pas si mal. Ouais, il se marie avec moi, bien ouais. Bien sûr que oui. Qui refuserait d'épouser une fille pareille ? T'es jaloux ? Mais oui, 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 c'est ça. Oh non, ça me fume. Non, mais ramasse. Oh. Mais ouais, du coup, c'est trop stylé ce que tu fais en vrai, Rinlu. N'hésitez pas à aller voir Rinlu. C'est, voilà, comme dit Shadow, allez voir Rinlu. Hors conséquence, cette meuf est trop forte. Hop. En tout cas, merci beaucoup pour ton raid, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop trop plaisir. Quel temps splendide. Ouais, tu l'as dit. Tu l'as dit, Bouffy, il fait beau. Il fait beau. Pas chez moi, mais il fait beau. Mais c'est toi qui es choupi. C'est toi, c'est toi. Est-ce qu'on peut rentrer ? Non, pas du tout. Faut que j'arrête de vouloir rentrer partout parce que c'est bizarre. Oh, la caisse ! Oh ! Fuck. Alors la quête de chasse. La quête de chasse. Je sais plus c'est quelle bestiole. Gobelin. C'est des gobelins. Ah mais attends, mais c'est pas ça qu'il faut faire de nuit. Oh, je suis con. Est-ce qu'on peut passer... Est-ce qu'il y a un sanctuaire à côté? Merde. La carte. Oh, Arta, tu puduc. Ouais, y'a... Non. Oh merde, j'ai failli faire une connerie. Il y a un sanctuaire, donc on va aller passer la nuitée là-bas. Je suis con aussi. C'était dit en plus de passer la nuit. Grosse teuteux. La caisse. Ah putain, j'ai compris avec le prout. Ouais, ouais, grave, Arta. Grave. Badum tsum. Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Il va falloir que j'aille prendre des gâteaux parce que j'ai faim. C'est terrible. Oh, super la météo. Ouais, tu l'as dit. Ils vont faire des remarques sur la météo H24, je vous préviens. C'est là, l'entrée, je crois. Non, c'est pas là. Si c'était là. Non, c'est pas là. Oh là là. Oh putain, c'est pas grave, il y a de la foudre.
Gâteau, dresse une oreille. Apéro? Non mais je pense que je vais aller chercher un gâteau, oui, parce que j'ai commencé à avoir faim alors que j'ai déjeuné avec vous il y a même pas une heure. Enfin je sais pas ça fait combien de temps je stream mais... Mais je vais aller chercher un petit gâtal. Profitez-en aussi pour prendre un gâtal. Patientez jusqu'au soir. Et moi je vais aller chercher un gâteau. J'arrive. Oh putain je suis coincée. Je suis coincée dans mon siège. J'arrive, bougez pas. Ah bah ça, y a pas de chargement. Bon bah bougez pas, je vais chercher un gâtal. J'ai pris 3 paquets de gâteaux. Ouais, je sais pas doser. Parce que je sais pas quoi prendre. Du coup, bah, j'ai tout pris et on va voir ce que je vais prendre. It's me, Dae. Oulala, oh, ça glisse ici. Hâte de voir les primordiaux. Bah, le premier, c'est Titan, je crois. Et Titan, c'est trop stylé le fight de Titan. Mais c'est pas tout de suite. Il y a encore un peu de temps, si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais prendre ça. Parce que sinon, ça va être sec et ça va plus être bon. Hop. Allez, on va se tabasser avec des gobelins. Déjà, juste avant, on va faire un truc. C'est qu'on va enlever le repère. Comment on fait pour enlever le repère? Comme ça. Et Zemardi, allons tabasser du gobelin. En espérant pas tomber sur des démons puisqu'il fait... Il fait nuire. Ouh. On dirait pas un peu un truc dans... Comment ça s'appelle le... L'anime là où il y a une meuf qui meurt comme ça. Parasite. On dirait une ruine où il y a pas... Il y a la meuf dans Parasite là qui meurt. Oh, putain, il y a des os. Oh, j'ai un caillou dans ma chaussure. T'as qu'à l'enlever? Ouais. 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 Attendez, il y a un truc qu'il faut que j'accepte. Téton les branleurs des terres. Oh putain. Oh les jeux de mots que t'as fait là. Bravo. Il y en a pas eu qu'un. Oh le spoil de l'anime. Oh ouais c'est vrai. c'est vrai que ça spoil un peu. Mais bon Parasite bon c'est bon voilà. C'est pas foufou. Enfin moi en tout cas j'ai pas trop aimé. C'est où? Ah c'est là-bas. Ok. J'étais pas sûre, Bébou. Ah non, t'inquiète pas, y a pas de souci, Bébou. Oula. Oh, c'est ça. Let's go, c'est ça. On lui pète la gueule. On va tester notre nouvelle arme. Parce qu'on a acheté. Comme des sagouins. Oh, c'est le bordel. Tapez! Et la nouvelle arme m'a fait mal! Oh merde, j'ai pas eu le temps. C'était pas ça. Oh putain! Potions, comment on fait les potions? Attendez. J'ai pas réussi. C'est quoi R? Tiens court. Ouais. Toujours en vie. Casse-toi! Bon bah j'ai pas compris. À l'aide. C'est mort hein. Attends, objet. Non mais c'est pas ça non plus! Oh là là! Okay.
Faut que je me casse. Oh, casse-toi, casse-toi. Laissez-moi faire. Je sais pas. Je sais pas. Utilise un objet. Mais frérot, c'est la même touche que pour elle. Bon, c'est pas grave. Mais Ignis, il soigne pas normalement. Merde, je suis trompé. Casse-toi, Noct. Ah! Non mais il est low lui. Oh la grosse épée de Gladio. Oh bah on a réussi. Alors attendez parce que je sais vraiment pas comment. Et moi je meurs de faim. L'important c'est qu'on soit vivant. Je sais pas comment on prend un objet en fait. R, c'est où R? R c'est ça normalement. Comment on est censé prendre un objet en fait? J'ai pas de. Attends, touche. Confirmation. Configuration des touches. Et salut Leïla! Re. En anglais. Type A. Objet, c'est R. C'est où R? Attendez, je vois pas ce qu'il y a sur ma manette. R, c'est ça. Mais du coup, est-ce que c'est la gâchette de devant ou est-ce que c'est la gâchette de derrière? Je suis trop une noob, c'est trop grave. Attendez, je vais essayer. Oh, c'est la gâchette de derrière. Pardon. Je suis en train de bouffer en même temps. Non, c'est moi, j'ai compris du coup. Ah, mais on peut pas l'utiliser hors combat. Bon, ok. Si tu veux. Ça, c'est le jour. Ils sont pas casse-couilles, hein. En plus, c'est loin. On risque de se faire défoncer entre-temps, mais... C'est pas grave, on l'aime, hein. Attendez, faut que j'enlève Violette. Hop. Voilà. Merde, le jeu, il est là. Ok. Ok, ok. On y retourne. T'as la Pokémon derrière le rocher. Ça va, ça se passe bien de ton côté, Leïla. Je suis en train de grailler en même temps, donc la caméra va être approximative. Je tiens à m'excuser d'avance. T'as raison. Ah mais pour savoir, vous avez chaud, vous avez froid. Ça va depuis et toi? Bah écoute, ça va super hein. Je vois pas le temps passer depuis que je suis sur ce jeu. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est dessus là. Mais à tes souhaits. Mais j'adore trop. Ouah. Oh le voyeurisme! Oh là là! Heureusement qu'il n'y a personne en slibar ici, hein, parce que déjà la chaise. On dirait qu'il y a eu des actes pas très. Au clair de lune, enfin bref. Heureusement qu'il n'y a pas de gens en slibar. J'aurais été mal à l'aise. Je suis coincée. On y est. C'est réconfortant de voir enfin des gens. Je suis coincée. Oh putain. Comment t'es passé toi? Voilà, comme ça. Non mais oh. Bonjour. Bonjour. À la prochaine. Bisous.
venu. Ok. Oh, vous êtes vivant. Il nous en reste du coup... Il y a ma souris qui fait chier, je suis désolée. Il nous en reste un à faire. Deux jours du coup, on va attendre un peu. Je vous sers quoi ? Frère. Ah, ça fait deux heures qu'on joue, je vois le compteur en fait sur le jeu. Merci infiniment. Comment on passe le jour ? Est-ce qu'il y a... Il y a un truc pour dodo, mais alors ça va coûter une blinde le motel. Fait ce qu'il veut lui. Excusez-moi. J'ai trouvé une enveloppe pour le clan Meldacio dans le paquet. Meldacio, le QG des chasseurs ? Oui, le chef du clan se trouve dans la région. Vous pourriez lui remettre ? Eh, note. T'en dis quoi, vu qu'on est déjà dans le coin ? Ah oui, c'est les quêtes secondaires. D'accord. Bah écoute, ouais. Il fait un peu plouc le... Le motel, je suis désolée de critiquer, mais c'est pas fou. C'est pas fou. Oh, il y a un toutou. Pardon. Regardez-le, il y a un toutou. Tiens, c'est vous. Je vous remercie pour la dernière fois. Et pour cette fois aussi. En fait, ça ne s'arrête jamais. Oh, ça y est, il va nous faire son petit sasouk là. Attention. Alors, ils en ont trouvé une autre. Une autre quoi ? Fleur. De quoi tu parles ? Faut que j'arrête. Une petite médaille. Nous, les chasseurs, on porte une plaque d'identité au cas où. Au cas où vous auriez oublié votre adresse ? Non, plutôt pour savoir qui ils étaient. On risque notre vie en étant chasseurs. Et parfois, cette médaille, c'est l'unique chose que l'on retrouve de nous. Ça fait partie des attributions du clan, de prévenir les familles. C'est pour ça... que j'étais venu dans cette région éloignée. Eh ben... Si par hasard, vous tombez sur des plaques d'identité de chasseurs, ce serait possible de me les remettre ? Ok. Compte sur nous. Quelqu'un a repéré une plaque de chasseurs pas très loin d'ici. Le mieux est de demander des détails au resto, le Crow's Nest. Alors... Trouver des infos. Oui ? Oh. C'est ça, les fameuses plaques. Mieux vaudrait la ramener. Ne serait-ce que pour la famille. T'as raison. On n'a pas d'honneur ici, bien. On ramène que dalle. Aller... Bienvenue. Oh, salut Andy ! Qui ? Vous devez être affamé. Arrête avec tes feurs, jamais ! Vous pensez être à la hauteur ? Ça, level 14, on va se faire foudroyer le cul, donc on va peut-être éviter. Comment tu vas, Andy ? Comment s'est passée ta journée ? T'as fini ? T'as fini ton boulot ? Ah, mais il fait nuit noire ! Mais y a rien pour dodo, c'est fou ça, je... On va aller dans un sanctuaire, hein. Attendez, la carte. Non, mais il n'y a pas de sanctuaire à côté, en fait. Il n'y a que lui, là. C'est loin. Comment on voit l'heure ? Ah, il est qu'une heure du mat. Oh, ça va être terrible. On va aller dormir, en vrai, dans le motel, je pense. Je viens de finir, je pose mon lurk et je vais me forger. Ah, tu vas au sport, c'est ça ? Bah écoute, ça va, on est toutes chilou. On fonce dans les murs, on adore. Oh, un client. Allez, on se repose. Et bah du coup, GG pour ta journée. Bah GG. Et ça va super, merci. Ça ne peut que aller en faisant FF15, oh mon dieu. Je suis trop heureuse, j'ai déjà pleuré au début du jeu. Ah mais regardez-le, on le voit pas. Avec son livre, je suis sûre qu'il est en train de lire la pièce de théâtre Loveless. C'est sûr. Oh mais Noctis, mais prends-moi quand tu veux. Oh le dogo. Oh le dogo x2. Attendez deux secondes. Hop. C'est qui la meuf derrière ? C'est Lara Croft ? Pourquoi il y a une meuf derrière ? C'est quoi ce bordel ? Je me rappelais pas avoir ça sur mes photos, moi. Tu es pile au bon moment. Oh là là, les photos avec Igni, ça me font un peu mal au kokoro. Mais bon. Bark, bark, bark.
Ouf. Indigestion, putain de merde, j'avais oublié. Oh bordel. Comment il va le indigestion? Et je vais vraiment jamais m'en remettre. Ah, ça m'a juste beaucoup trop fait rire. Il faut y aller. Radio, on y va. J'arrive. Oh putain. Miskin. Le pauvre. Voilà, la petite guibole là qui est passée au-dessus, on l'a vu. Hein. Le petit saut de guibole là. Me sens mou avec ce temps ? Absolument. Le petit qui est du coup mou, apparemment. Miam. Putain, j'ai mes cheveux dans les yeux. Pardon. Oh mais je suis en train de me rappeler une cinématique qu'il y a dans pas longtemps. On est vraiment mais vraiment que au tout début du jeu, c'est terrible. Merde. Oh bah Shadow, regarde, t'es là! Il y a des chevaux. Est-ce qu'on va se faire défoncer? Mais je comprends pas, des fois je peux pas les éviter, je comprends pas pourquoi. C'est pas ça que je voulais faire, mais... Bark UU. Ah, j'ai pas réussi. Merde. Tiens, prends ça dans l'abdomen. Non, alors... Au secours, mais Shadow, elle est violente! Le buisson! J'aime trop l'attaque avec Ignis, c'est incroyable. Oh! Les potions, on sait comment prendre les potions maintenant. Hey. Pardon, je veux pas être violente. Tu te rends compte de ce que tu fais à mon prince? Tu t'en vas pas toi, hein. Il est fou lui. Attends, mais il y a la grosse maman là à côté. Oh putain, je me suis pris un coup de sabot. Mais attends, mais on prend quand même vachement cher, hein. Je pense que j'ai pas trop de... Je faudrait peut-être que je mette des équipements. Ou que j'apprenne peut-être à jouer. À voir. Ah,
la grosse maman. La daronne. La grosse daronne. Oui, mais regardez, c'est marqué dominant, c'est pour ça qu'il est aussi grand. Le dragoon! Est-ce qu'on prend le dragoon? Ouais. Ouah, je me fais défoncer. Attendez. Ah, mais ça lui fait super mal la lance. Le dragoon, les jumps! Bah là j'ai pas vraiment jumpé mais... Oh putain, je me suis pris une corne dans le cul. Ils font mal hein. En même temps je crois que j'ai pris une quête compliquée. Adieu. En vrai ça fait trop mal cette arme, je peux pas prendre le dragon. Enfin la lance. Hop là, tu te casses pas comme ça toi, c'est fou ça, de fuir la bagarre là. Oh putain, Estinien mamma. Estinien bibou hein. Bon, il me casse les couilles. Allez, dégage-toi. Faut que je me recharge. Et il saoule à me sauter dessus, ce grand fou! Elle nique lui sa mère, Gladio, là. Et en plus, ça se casse, là! Par contre, ces OST, mama, c'est quoi ça? Ah, les OST d'FF15, que ce soit bagarre ou pas bagarre, c'est banger. Hein. Tout est incroyable dans ce jeu, mais je suis pas objective. Bon, tout est incroyable, même les buissons. Attention. Reviens là! Ouais, j'avoue, c'était sans fin. Par contre, c'était vraiment vrai, ça. Ça s'est jamais terminé. Oh, sa mère. Bah, du coup, on y retourne. Enfin, je crois. Y a quoi d'autre comme quête? L'adieu au chasseur. Elle est où, cette quête? Ouais, elle est là-bas aussi. Eh ben... Let's go. Mais qu'est-ce que tu fais, Shadow? Range cette corne, m'enfin. Mais j'avoue. M'enfin, Shadoudou. Rangez-moi cette grosse corne. C'est terrible de me tabasser comme ça, sans sommation. Oh putain, je me suis pris des dégâts. Ah bah y'a une bagnole, excuse-nous, hein, y'a pas de trottoir. Y'a la bagnole. J'ai voulu me faire buter mais ça a pas marché. Allez, préférez continue. Ma grosse corne ou ma grosse queue? En vrai je pense ta grosse queue parce qu'elle est touffue. À ne pas sortir du contexte, évidemment. Évidemment. Voyons. Soufflons un peu. Point. Pour revoir. Donnez-moi les frics. Et je suis blindax, hein, dès le début du jeu là. Encore un nouveau grade.
Jamais d'hors contexte, bah non. Bah, que quelle question. Alors, vous bah, avez choisi. Bah. Bah alors, Arby. Alors. Il y a une quête là. Non, c'est pas une quête. Comment allez-vous? Bah ça va allez, super et toi? Bisous. Attendez, il y a Dave là quelque part. Là, il est là. Bouf. Merci de m'aider à récupérer ces plaques d'identité. Mais faites attention à ne pas y laisser vous-même votre peau. Je réponds, excuse-moi. Je t'excuse. Attends, parce que j'ai pas compris. Alors, cruel destin. Dave vous demande de partir sur la trace de certains de ces hommes qui ont disparu depuis. C'est pas. Y a pas de depuis, y a pas. Et retrouver les plaques d'identification pour confirmer leur décès. C'est triste, mais alors. C'est en faisant des contrats de chasse, je crois, ça. Je crois que j'en ai pas. Inventaire. Oh, j'ai Gebolg. Oh la vache. C'est pour la pêche. Oh. Attendez, parce que du coup, faut peut-être que je change d'équipement parce que je prends trop cher. Et salut Dino, comment tu vas? Comment tu vas? Javelot, bah je l'ai pas Gebolg. Ah si. Ah mais elle fait beaucoup plus mal. Merci beaucoup Andy pour ton lurk. Bon courage pour ta... Pour ta... Pour tes... Pour la salle. Épée qui permet de faire de puissants assauts éclipse. Pistolame, oh la vache. On va faire un peu plus mal comme ça. N'oubliez pas que vous êtes beau. Toi aussi t'es beau. Mal au ventre et toi, la même, je viens de grailler un truc et j'ai mal au bide. Augmente un peu les PV maximum, augmente un peu les PV maximum. Pendif décoré d'un motif, il protège les altérations d'état. Augmente les PV maximum, augmente les PV maximum. De combien? 200, 200 et là, enfin là c'est 100. 200 on va mettre sur Noctis. Gladio. Épée à deux mains, alors il y a celle-là. Masamune qui fait plus mal. Il n'y a pas de bouclier. Et bah lui, on va lui mettre ses PV aussi, maximum. Hein. Ça. Ignis. Ignis qui a des dagues mutisma. Aucune idée. Oh, le javelot! On lui met le javelot. Et salut Requiem, comment ça va? Moi j'ai juste trop mangé ce midi. Qu'est-ce que t'as mangé de bon, Dino? Augmente les PV de 50. Bon, on va lui mettre un PV de 50, c'est toujours ça de prix. Et prompto, pistolet, il n'y a que ça. Il a que ça le pauvre. Et du coup, on va lui mettre pareil, PV maximum, je pense, pour le moment. On est peut-être un peu mieux, on est un peu moins à poil. C'est quoi cette merde? La magie du coup. La magie c'est terrible, je sais pas comment on fait. Donc ça on va peut-être pas se mettre la magie tout de suite. Ah ça va super Equiem, merci beaucoup. Crêpe fromage sauf que j'en ai mangé 16. T'en as bouffé 16. Voilà mais faut doser. On parle bien des petites crêpes là que tu fais à la poêle. T'es un malade ou une malade. Et ben on va continuer sur notre lancée du coup. On va reprendre la régalia. Normalement on a assez de gasoil. On va se mettre en auto par contre parce que flemme. Bon. Vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Et bah du coup, bonne digestion à toi, Dino. Fallait finir la boîte. Ah, sa mère. Allez, profitons du road trip. Politique toujours. Dame Luna Freya de Tenebrae a officiellement commencé la signature du traité de paix.
C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait et qu'un accord de paix avait été trouvé. Écoutez bien ça, d'ailleurs. C'est un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'inquiétude. Mais oracle je suis et oracle je resterai. Je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'affectera nullement ma vocation. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages, comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à veiller sur chacun de vous. Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Tenebrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité ? Bien sûr, une simple formalité. Un symbole de paix, comme ils disent. Alors c'est une sorte de mariage arrangé ? La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective. Ça déplaît pas non plus à Noct. T'as dit quoi, là ? Je le veux ? Lâche-moi. Ignis qui conduit, va falloir une idée de recette en plein milieu. Il va avoir une idée de recette en plein milieu. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Un conseil des tortues, ne mangez pas 16 crêpes au fromage, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais ça coule de source, Dino. Je m'en vais faire des trucs, bisous d'ailleurs. Bisous, bisous, Morganette. Des bisous. Bon courage pour ce que regardez, tu vas faire. On voit la mer. Ouais, t'as raison. C'est le quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Mais derrière, c'est quoi? C'est fer. C'est une montagne, ça? C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche. Les gens viennent pas pour ça. Mais putain, je me souviens de cette. Célèbre dans le monde entier. De et cette aussi, route. Les crustacés. À la fin du jeu, là. Leurs fruits de mer sont fameux. Ah bon? J'ai hâte de voir ça. Aïe aïe aïe. J'allais pas gaspiller ce qui restait. Ben franchement, oui, t'as raison. Hein. Allez, Costa del Sol 2.0. Oh, Ignis, la petite marche arrière là. Fais-nous rêver. On monopolise un peu la surtout, pompe, mais. N'oublie pas d'acheter des médicaments. Compris. Mais bon, c'est un détail. Bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas trop capté ce qui a été dit par Luna Freya, avec Noctis, elle va se marier sous prétexte d'un traité de paix entre les deux nations qui ne s'aiment pas. Et du coup, bah, le mariage était un prétexte, entre guillemets, d'arrangement entre les deux nations. Sauf que, ça va pas se passer comme prévu. On dit rien, vous verrez. On monopolise la pompe. Osef, c'est le prince, j'avoue. Et vu la montagne avec lui, j'irai pas le voir en mode bouche ta caisse. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser dans mon stock ? C'est vrai. Épée large. Bon, c'est de la merde. Allez, à bientôt. C'est pas de la merde, mais flemme. Un vrai mal au ventre pour lutter contre le gaspillage, c'est worse. C'est worse. Il y a eu un problème à Alticia. Je crois qu'on va devoir rester encore une nuit. Ok. Il y a des trucs à ramasser normalement. Oh, la photo ! Tiens, tu fais une belle photo ? Bien vu ! C'est beau ! Je pense en photo. Attention, séquence photo ! Oh, la lumière est superbe ! Waouh ! On va ramasser des trucs sur la plage, là, des coquillages. Donnez-moi des coquillages, du sable dans les bottes, miam ! Tout plaqué pour aller à la mer, bordel. Oh, ça bug ! Regardez-moi ça, regardez comment c'est beau ! On peut pêcher, d'ailleurs, avec Noctis. En fait, chacun d'eux ont une passion. Et Noctis, c'est pas la cuisine, non. Noctis, c'est la pêche. On fera sûrement pas ça, parce qu'on en a un peu rien à foutre. La visite de l'empereur Idolas à Insomnia a pris fin aujourd'hui. En ce qui concerne la signature de l'armistice, les préparations sont bien avancées. Il se tient un peu comme un Vira, il a mal au dos, quoi. Pas encore fixé. Des représentants du gouvernement ont déclaré qu'une annonce officielle sera faite prochainement. C'est l'heure de l'apéro. Apéro ! Non, attends, pas encore. Ah si, peut-être, oui. Si. 18h30, ça commence. Hein. Go farm des carapaces. Let's go. La farm. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que tu vends des coquillettes ? Est-ce qu'il y a des flammes ? Franchement, je cherche les autocollants flammes, mais il n'y en a pas. J'espère qu'on se reverra. Y'a quoi, là ? Alors, baie de Galdina. Lieu de plaisance sur la côte de Vanath. Vanath. Dans la partie sud de Leyde. Bref. Le restaurant qui s'y trouve a récemment changé de nom et se nomme désormais la Mer des Perles. Il est possible d'y savourer les plats aux poissons et aux fruits de mer préparés avec soin par la propriétaire des lieux.
Coctura Arlund. Arlund. Goiseka into FF15. Si c'est maintenant, oui. Si c'est après, non. C'est toujours l'heure de l'apéro. Oui, quelque part dans le monde, c'est toujours l'heure. Cet endroit compte parmi les nombreuses zones touristiques du Lucis aujourd'hui. Mais ce n'était autrefois qu'un petit village de pêcheurs. C'est lorsque l'empire du Niflheim a envahi le Lucis il y a 150 ans qu'il a pris le contrôle du port afin d'établir une voie d'échange maritime avec Accordo, qui se trouvait également sous sa domination. La ville a ainsi prospéré jusqu'à ce que l'Empire s'en désintéresse, préférant finalement transporter ses marchandises par les voies aériennes. Ceci n'a pas empêché les gens et les différentes cultures d'y transiter, faisant de Galdina un site touristique et exotique. L'occupation impériale n'a eu que de très rares avantages pour cet endroit, mais celui-ci en fait partie. Ça, c'est important de lire ce genre de truc quand vous jouez à FF15, sinon vous n'avez pas tout le lore. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien, mais un poisson est aussi de la nourriture. Oui ? Ça se mange, oui. Je pense aux remarques que je kiffe cette emote. Elle est trop drôle, cette emote. Wow. Attendez. C'est spectaculaire ici. Il doit sûrement y avoir des trucs à ramasser. Je pensais pas que j'apprécierais autant le bord de mer. Ah ouais. Il y a un truc là. T'es capable de changer d'avis. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, Gladio. Hein. Bon, c'est le moment. Ignis, il faut y aller. Juste une seconde. Qu'est-ce qu'il a, Ignis ? Oh mais regardez comment c'est beau. Il y a des palmiers dans l'eau. Au secours, un de mes chats va avoir des petits. Again ? Encore ? Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces chats ? En plus, dans n'importe quelle situation. Mais oui, mais tout fonctionne bien avec ce truc. OMG, oui, go pêcher. Mais je crois que je peux pas pêcher maintenant. Ah si. Ah si. J'ai jamais vraiment pêché, donc je m'en rappelle plus trop. J'aurais peut-être dû lire. Ah, là. Les gars, ça vient de me faire penser à un jeu que je jouais sur Wii. C'était un jeu de pêche. On s'en fout. Genre, c'était un jeu de pêche. Et genre, j'avais ma manette de Wii avec l'autre petit truc là, qui était vraiment dans une canne à pêche en plastoc, fait exprès et tout pour ça. Et bah genre, tu pêchais les plus gros poissons et tout, c'était trop bien. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu là, mais j'ai l'impression que je suis toute seule en vrai. Avec mon frérot, on jouait à ça, on se tapait nos meilleures parties de pêche comme des gigabofs de France. C'était trop bien. Faut pêcher une tortue. Oh non, les tortues c'est dans l'eau. Je vais en chier pour les donner. Oh, peut-être pas en vrai ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent adopter des chatons. Attendez, je vais regarder jeu de pêche sur Google. Parce que il faut que je retrouve le nom. Jeu de pêche. Oui. Ça s'appelait comment ? Putain. Il est pas là le Z, sinon j'aurais pu lui demander. Je crois que ça s'appelait Sega Bass Fishing. Oh, il y a un truc comme ça, je sais plus le nom. Ouais, c'est ça. Oh, il coûte 3€ sur Switch. Enfin, sur Wii. Tu la mets dans un aquarium, elle est toujours dans l'eau. Une araignée, non, n'importe quoi. Une tortue, ça va pas dans un aquarium. Hop, attendez 2 secondes. C'est trop gros pour être dans un aquarium, à part si tu prends des toutes petites tortues, mais grosses tortues de mer, ça va pas dedans. Je peux pas les garder, ça le problème. Non, mais il va sûrement y avoir des gens qui vont les vouloir, Urf. Tu mets des petites annonces comme ça sur surface de book, comme disent les vieux, sur le bon coin. Et tout ça. Putain, Noctis, il est fatigué, il arrive plus à courir. Là, attends, je sais pas si c'est maintenant ou c'est encore un petit peu après qu'on va voir quelqu'un d'emblématique de FF15.
Pardon, madame. Il y a un chat aussi qui va demander de pêcher, je crois. Mais flemme. Bienvenue à Galdina. Merci. Oh oui, c'est lui. Pas le vent en poupe. Écoutez cette voix. Hein ? Le bateau, vous voulez le prendre ? Ouais, pourquoi ? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça ? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi ça ? Une pièce commémorative ? Hein ? Sérieux ? Mais non. Juste de l'argent de poche. Hein ? Bon. T'es qui, toi, au juste ? Je ne suis qu'un humble voyageur. Un humble voyageur ? Qu'est-ce qu'il est ? Il est incroyable, ce mec. Retenez-le. J'ai un chaton qui squatte mon jardin. Oh, trop chou. Ardyn, best perso. Alors, faut éviter le spoil. Je trouve ça étrange. Mais ça je sors du travail. Que vois-je ? Une tortue ? Salut, Tira ! Tira, gros baiser ! Comment tu vas ? Comment ça s'est passé, ta journée ? Il nous a donné un sou. Il s'est dit, eux, ils sont pauvres. Et il a totalement raison. Bienvenue à la mer des perles. Meuf FF15 est sorti il y a perpète. Oui, mais il y a des gens qui l'ont jamais fait. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Que tu me donnes des informations sur la carte. Tout le monde le connaît. Non ! Fatigant, mais j'ai l'habitude, et toi, cette suite du Zbou bâton, je suis tellement heureuse de... Nous avons une large sélection. De faire FF15, c'est un truc de fou, je suis trop heureuse. Si vous pouviez nous débarrasser de cette menace... Oh, c'est beaucoup trop haut level pour moi, là. Je peux Merci pas faire ça, là. Merci chez nous. Rien. Comment je fais pour ma livraison ? Oh, y a un truc bleu. Oui. Le fragment de métal. Ça, c'est métal. Vous voulez un petit massage ? Oh oui, masse-moi. Parfait, c'est par là. On va se faire masser, regardez. Oh là là. Alors qu'on pue et qu'on transpire. Mais t'as à peine touché, frérot. Mais il l'a même pas touché, je suis mort. C'est quoi cette drama queen? Tu as recommencé une reine, du coup, je suis curieux du jeu. Oui. On recommence le jeu, on est au tout début, t'as pas grand chose. Enfin, t'as pas loupé grand chose si tu veux suivre le let's play. Cette intrigue. Non merci, ça m'intéresse pas du tout. Bah... Tout sympa. Alors essaie toi. J'ai pas besoin de me relaxer. Pourquoi ils font des massages habillés? Cette émo fragile. Je parle pas mal de Noxus comme ça, c'est mon homme. La nuit ici, elle est super chère de souvenirs. Dis tout de suite que tu veux être nu. Bah je veux voir Noctis. Allô ? Allô ? Ça lag. Oh ça c'est important de lire ça. Parce que du coup ça rajoute du lore sur les primordiaux, tout ça. La cosmogonie, les six titans, l'archéen, aussi inébranlable que la pierre, Ramu, le fulguréen. À l'esprit vif comme l'éclair, Shiva la glacéenne, douce comme la neige, Léviathan l'hydrienne, implacable comme la marée, Bahamut le dracon... Ah ! Le draconéen, dur comme l'acier, Ifrit l'infernal, changeant comme le feu. Ils sont les six qui veillent sur Eos depuis la nuit des temps. J'adore le message épinglé. C'était quoi d'ailleurs le message épinglé ? Mais SVP, pas de spoil... Arbichon, t'inquiète, Noctis va te marcher dessus. J'avais pas vu. Et coucou Cito Douce, comment ça va? Aïe, j'ai cru mal entendre là. Bon, trois fois rien. Ah mais oui. Mais bravo, c'est vraiment ça. Ça c'est... Cette table là, c'est pour les gros bourgeois. C'est pour les riches que nous ne sommes pas du coup. Eh ben écoute, ça va super Cito, merci beaucoup. Putain, je me souviens de lui là, il casse les couilles ce mec. Toujours pas de trafic. Ouah ! Ouah !
Oh, quel poids. T'as passé une bonne journée, Sito? Je comprends pas pourquoi. C'est Costa del Sol, du coup. Bah oui, Costa del Sol. Ça s'appelle Galdina, en vrai, mais on est d'accord, c'est Costa del Sol. Hein. C'est pour les riches, ceux qui ont 50 millions d'amis. Oui, oui, oui. Oui. Tranquille, et la tienne? Bah écoute, je ne peux que être heureuse sur FF15. Voilà. L'île d'Angelgard. Île sacrée fréquentée par les dieux depuis des temps immémoriaux que même les membres de la famille royale évitent d'approcher. Autrefois, il n'était pas rare de voir des croyants quitter la jetée de Galdina en direction de l'île en formulant quelques prières, mais c'est beaucoup moins courant aujourd'hui. Un récif rocheux encercle l'endroit générant de dangereux courants. C'est pour cette raison que les navettes maritimes passent assez loin au large et qu'on y voit rarement des bateaux de pêche en stationnement. Il arrive bien que des têtes brûlées s'y risquent, appâtées par la pêche, par les pêches miraculeuses qu'elles croient pouvoir y faire, mais celles qui ne rebroussent pas chemin ne rentrent jamais au port. Oh là, ils se recoiffent comme ça, la lumière là, enfin, au petit coucher de soleil, miam. Miam, miam, miam. J'allais utiliser un osso éclipse, mais on peut pas. Malheureusement, vous pouvez pas faire grand-chose. L'Empire a donné des ordres très clairs. Aucun navire ne doit quitter Alticia. C'est vrai que... arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Dino, c'est toi ? Ah, en fait, je suis journaliste. Oh, salut, chaton ! Comment tu vas, chaton ? C'est un scoop. Vous avez de la chance. Je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito... en échange d'une faveur. Il a un peu une tête d'enflure, hein. il a l'air relou. Hein. Enfin, il est relou de toute façon, mais... Qu'est-ce que tu veux? Ah, t'acceptes? Génial! Montre-moi ta carte. Putain. Non, c'est pas moi, je refuse catégoriquement. T'as le même nom, hein? On vous a pas vu au même endroit, au même moment. Indiqué l'endroit où chercher. Ramenez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des gemmes. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. En vrai, c'est pratique, les gemmes. Et la tranche du prince sera à la une des journaux. Mademoiselle Dino, je refuse. T'es sûr, hein? Et à quoi doit-on votre petite virée en voiture? Une mission touristique secrète? Il me saoule. En plus, c'est super loin, son truc à lui, là. Dis donc, il a l'air de tout savoir sur toi, lui. Faut dire, on n'est pas spécialement discret. Même si on l'avait été, ce journaliste aurait trouvé de toute façon. Par contre, je crois que c'est cher le dodo ici. Utile. N'en faisons pas un ennemi. Bien le bonjour. Ah, c'est très cher. Hein. On va dormir dans la caravane. Il y avait une caravane au niveau du parking. Hein. Donc on va aller dormir comme des gros ploucs dans une caravane. On est trop pauvres pour cet endroit. Ça va super, et toi, comment se passe ta journée? Ça se passe hyper bien. Merci Dino, non, chaton. Et j'espère que la tienne se passe également, également très très bien. Et vous voyez ce petit chat, il va me demander de pêcher. Oh, un chat. C'est toi, chaton? Une petite balade? Eh ben alors, tu t'es perdu ou quoi? Peut-être que t'as faim, hein? Eh ben voilà, j'avais raison. Attends un peu. Je vais te trouver un truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à un chat? Bah du poisson. C'est une boîte. Ou alors on lui pêche un poisson? Bonne idée. On va pêcher? On va pêcher, hein. Lui, c'est un micote, c'est sûr. C'est pas compliqué. Et merci beaucoup, Patate. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Est-ce que je peux pas... Ok, c'est bon. Il me saoule déjà. Donc on va aller pêcher. Mais regardez comment c'est beau, même la nuit, genre. Ta gueule, le chat. Oh non, le pauvre. Oh, la roulade. Noctis qui s'est cru pour un cat. Chut, le chat, c'est mieux, les tortues. Oui, le bruit des tortues. Attendez, le bruit. C'est quand même vachement plus charmant. Tu t'es cru dans un jeu vidéo ou quoi? Allez, bah du coup, on va pêcher. Bah, j'aurais peut-être dû lire le tuto parce que du coup je sais pas comment.
Je sais pas comment on pêche. Les tortues qui... horrible... Qui m'ont horrible pseudo plutôt. Ouais, de fou. C'est super loin, on peut pêcher super loin. Mais du coup, il n'y a pas de poisson, genre... Bon, on va essayer. Essaie de bien sentir le poids du leurre avant de lancer ta ligne. Je pense que je le fais pas bien. Attendez. On va lancer loin. Un tuto, c'est quoi? Ça se mange? Qui c'est? Allez, là, il y en a, là. Oh, mais je suis nulle. Comment on pêche? Faut que le marqueur soit jaune. Ah bon? Là, il y en a. Mais ils s'en battent les couilles. Si c'est jaune. Ah, comme ça, genre? Mais regarde, il se beurre! Ah non, il y en a là. Bah ça marche pas. Noctis n'a pas l'air d'être fait pour la pêche. En vrai, si, c'est sa passion. Pêche là, what the fuck? Je sais pas. Matériel. L'heure de chocobo. Ah! J'ai des cannes à pêche de fou en fait. Comment j'ai ça moi? Un leurre à éclaboussure inspiré par la célèbre volatile. Oh, mais on s'en fout. Là il y en a. En fait, je sais pas s'il faut que je me dépêche. Faut quoi comme poisson? N'importe. Comment je suis censée faire là? Mort, chacal! Faut n'importe quel poisson parce que c'est pour le chat là. Ouh. Tu m'as vu toi là? Viens. Il y a un connard qui baille derrière. Mais il fait trop de bruit. Le pauvre bébé chat qui attend, bah il avait qu'à se nourrir tout seul. Essaye avec un autre. Avec un autre poisson? C'est moi, my bad. Moins de bruit, gros baiser! En fait, le truc, c'est que je sais pas s'il faut que j'aille comme ça vite ou pas. Attrape! Bah, j'ai pas d'autres leurres, j'ai que ça. Ah, mais non, j'en ai plein d'autres! Ça, on va mettre ça. Bah, comme la pêche en vrai, je crois d'aller attendre. Tu penses qu'il faut qu'on attende? Ah! Ah bah là ça marche mieux. Faut attendre un peu. Ah! De façon irrégulière. Eh, hey, tu veux jouer à King's Knight pendant qu'il pêche? Ça je te conseille pas. Le prince va bouder. Je l'ai perdu. J'ai perdu le poisson. Attendez, je recommence. Oh déjà? Ok. Le poisson essaie de s'échapper. Inclinez la canne dans la direction des flèches à gauche et à droite de l'écran et gardez un œil sur la tension pour éviter qu'elle casse. Ah, faut que j'embobine. Euh.
turbine va casser. Non, elle va pas casser, non. Donnez du mou. Ah, c'est dur la pêche, hein. Je pêche ça et après je pêche plus. Non ! Ah, t'as perdu ton leurre. J'ai que 4 essais. C'est Far Cry 5 qui me l'a appris, moi. T'as qui spamme sa tension. J'ai pas fait exprès. Oh, je suis dégoûtée. T'as perdu ton leurre, je crois. Dis voilà. Les poissons. Poissons. Ce cri m'a glacé le sang. Désolée. Ça me rappelle la pêche dans Zelda Twilight Princess pour avoir le poisson légendaire. De toute façon, la pêche dans les jeux, c'est nul. Enfin, même dans la vie, en fait, c'est nul. Poisson. D'ailleurs, qui préfère pêcher que pêcher. Bah oui. Mais j'ai eu un coup de chance en plus qu'il mord direct, du coup. Attends, mais je crois que. Ah non, pourtant j'ai mis mon leurre. Le leurre bleu, tu m'avais dit, peut-être. On va vraiment attendre. Aki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 . C'est comme ça qu'on appâte le poisson. Aki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 . Kikiki. Akiki. Kikiki. Non, ça marche pas. Bah, je pensais, mais non. Est-ce qu'on irait pas lui acheter un poisson, en fait? Genre, tout simplement, le nous faire chier, là. Parce qu'il fait noir. Je sais pas s'il y a des poissons quand il fait noir. Allez, là! J'en ai marre! Y a pas un autre endroit? Mais aussi, il était loin, là, le bug. Il fait chier. Mais regardez comment c'est loin. La pêche, c'est trop bien, par contre, t'es aigri. Mais Arby, je sais pas faire, fais-le à ma place. C'est donc ça, FF15, c'est pas mal. Non, mais ça me dégoûte, moi. Je veux prendre le bâtal et m'en aller de là, parce que il y a un truc trop bien après. Arby, comment tu fais pour pêcher? T'attends? On fait comment? Mais y a plus rien qui se passe, là. Mais regardez, il y a des poissons, ils veulent pas là. Faut que j'attende comme ça, sérieux? Genre comme ça. J'attends. Ils ont pas l'air, hein. Ils ont pas du tout l'air intéressés. Ils s'en battent les couilles, hein. Attends. On va remettre ça, là. Noctis, fais pas des bruits comme ça, mon imagination. C'est optionnel, mais ouais, j'aurais bien aimé le faire quand même. L'XP. Le chat doit manger. Vous savez quoi? Je vais aller lui acheter à bouffer. Parce que ça me casse les couilles. On dira qu'on a réussi à pêcher, et de toute façon il est con, donc il va pas comprendre. Je crois qu'il y a une boutique, alors... Bon, c'est le moment. Ignis, il faut y aller. Juste une seconde. T'es pas obligé de le pêcher? Je crois pas, on m'a dit... Enfin, c'était 10. Soit on pêche, soit on lui prend une boîte. Mais à voir si dans la boutique il y a une boîte. Après, je suis un peu teuteux, j'ai pas tout retenu, donc... c'est compliqué. Après, je veux dire, vous voyez, il fait noir et tout. Dans tous les cas, on avait l'intention d'aller dormir. Parce que pour aller chercher les pierres précieuses, ça va être compliqué. La nuit. Dans un port, il y a forcément des produits de la mer. Ben oui. Regardez-le, ce brave monsieur chauve, là. Est-ce qu'il y a du poisson? Ben voilà, conserve de pâté. Voilà. C'est ça, on peut lui donner ça. On lui donne quoi? On lui donne le poisson ou la pâté?
Salut Momo, comment ça va? Je suis enfin là, et salut Kiki. On lui donne quoi les loulous? Vous choisissez. Soit on lui donne un vrai poisson, soit on lui donne la vieille pâtée. Le poisson c'est le plus cher. Ouais mais... on est blindés non? Enfin pas trop en vrai mais... ça va, merci beaucoup Momo. Après c'est vrai que les poissons de Far Cry 5 ont plus d'appétit. C'est pas les mêmes effectivement. Allez on lui prend le poisson, c'est un chat de riche. N'hésitez pas à revenir. En vrai non c'est pas blindé dans ce jeu cette mille guild. Mais c'est pas mal déjà. Allons lui donner le poisson. Et après on ira de Dao. Ah trop tard pour le sondage. Oh my god désolé. Désolé. Oh mon dieu je suis la pire streameuse qui ne lit pas ce que fait Shadoudou. Le mode Dao. Tiens bouffe. Attends mais je peux pas lui donner. Je l'ai acheté pour rien. Ça va pas se passer comme ça, hein, frérot. J'ai acheté un poisson 240€ pour qu'il me fasse miaou et qu'il ne le bouffe même pas. J'ai réussi à tag le troisième raid Rabanastre mais il est trop bien. C'est vrai, j'ai Arby. Faut faire mes FF. Oui, c'est vrai. Faut le pêcher, pas l'acheter. C'est quoi ce chat des... casse-couille là, j'ai pris un truc 240 balles pour rien. Mais regardez, on peut aller pêcher là-bas aussi. Il y a un point de pêche. On va l'essayer là-bas. Non, en vrai, j'ai un peu le seum de fou là. On pourrait tous faire le troisième raid Rabanast sans Harvey le lâcheur du coup. Je vous aiderai en vrai. Je suis vraiment dégoûtée. Mais comment ça, chez? Comment ça? C'est pas sympa. C'est pour ça que les lapins sont mieux. Oui. C'est pas faux ça. On retourne à la pêche du coup. Ouais, attendez, il y a peut-être un truc à ramasser là. Oh oui. Oh, j'ai le seum. Désolé du coup pour le pôle chez Doudou. Désolé. Mais je serai là. Mais oui, tu seras là, bichon. Il a du goût le chat. C'est dans ma... Surtout que c'est un vieux chat là, relou. Auquel je suis allergique. Et genre, il veut pas de mon truc. À l'heure, crayon qui rappelle le répugnant des mondes. Il imite le mouvement hésitant. On va prendre ça. Ça va peut-être nous aider. Je sais pas. À bientôt, j'espère. Non. Jette un coup d'œil. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est mort à côté de Vanas. Karang. Et plus c'est encore. L'heure de la pêche. Zoubien. Arrête de te servir de ton allergie pour être aigri, l'eau. Jamais. On peut pas savoir à quel point j'ai le seum d'avoir dû donner Noctis. Mon bébou Noctis, mon petit chaton qui m'a rendu malade. Au point de... Merde, d'être à deux doigts de mourir. Il sait que tu l'as acheté, il en veut un frais pêché à la sueur du front. Ouais, bah je vais lui claquer dans le museau. Oh, let's go! Let's go, let's go! Merde! J'appuie sur un bouton. Je sais pas ce qu'il faut faire quand il y a la tension comme ça, là. Wouh! Yata!
plus il est beau. Soul. Fuck. Cette musique pour une vieille truite, je te jure. 36 cm, putain, il y a des gens qui sont jaloux un peu. Hein. Je suis presque fière de toi. Je suis fière de moi, bordel. Oui, arrête de pêcher. Le chat, pas mal, mais j'en veux un qui soit pêché entre 18h et 18h15. Je te jure. Le chat va pouvoir bien se ralasse, mais surtout que ça sert à rien. Je crois que ça nous donne juste des PC et encore, je suis pas sûre. D'ailleurs, on va même pas avoir besoin de passer la nuit, puisqu'il est 4h du mat, et il fait déjà jour. C'est fou ça. 36 cm la taille de ta prothèse. Ta prothèse de jambe, parce que si ta top fait 36 cm, ça doit être vachement chiant quand même dans le Zulibar. Enfin, je veux dire, ça doit être giga handicapant quand même d'avoir un gros ob. Enfin bref, c'est pas le sujet. On va ramener ce magnifique poisson au chat. Au chat qui me dit miaou. Il se fout de ma gueule. J'ai pas le bon poisson. Il me faut une carangue géante. Qu'est-ce que j'ai eu comme poisson? Qu'est-ce que j'ai pêché? J'ai pêché... C'était quoi le nom du truc que j'ai pêché là? Que je vais péter un câble en fait. Merde. Qu'est-ce que j'ai pêché? J'ai pêché une grosse truite bleue. Allez, nique ta mère, le chat. Nique ta mère. Va te faire foutre, c'est bon. Tu vois sa quête de merde, là? C'est bon. Ah, j'ai la haine! J'ai la haine! J'ai pêché un poisson et c'est pas le bon! Mais comment ça, c'est pas le bon, en fait? C'est mort, je recommence pas, hein. En vrai, je suis tellement une connasse qui veut absolument faire ça que je vais sûrement repêcher. Et je le ferai peut-être en off, en vrai. Et salut, Yari, comment ça va? Oh, mais non, mais franchement, j'ai le seum. Déjà, on va dormir. Ouais, on va dormir, il est 5h du mat, c'est la vie de Yes Lifer, ça. Un peu de repos. Ah. Oh, ça me saoule. Ça ressemblait à une grosse truite bleue. Je sais plus ce que j'ai pêché, j'ai pas lu. Je suis dégoûtée. T'as beaucoup la haine. Bah, normal. Go faire un RP gitan, là. Me battre avec des ours et tout. J'ai envie de roter. Pardon. La forme. Ah oui, et toi, la forme la plus magnifique, sublime tortue. Bah écoute, ça va super, merci, ça va super. Tu pues le chat. Oui. Pue sa mère le chat là. En plus, il est plein de puces, c'est sûr. Dans ta caravane avec tes trois potes, t'es déjà en RP gitan. Oh putain, d'ailleurs en mode le chat c'est mort, ouais, de fou. J'ai trop la haine. Oh, elle est belle. Les photos où on est tous ensemble. Ah ouais, ça save. Hop. L'illustration parfaite de l'amitié sur cette photo. Ah, ça demande Didier. On ramène Didier. Heureusement que Didier ressemble pas au chat de Galdina parce que j'aurais le poing serré. Attendez, bougez pas, je mets Didier. Didier qui veut pas passer dans la couette, mais c'est pas grave. Hein. Didier qui va passer au-dessus de la couette. On fait en sorte que ça passe. Ah, regardez-le, ce Tchad! Juste parce que c'est un bébou. Hop. Oula, la photo, elle est pas un peu chelou? Elle est pas... Elle est pas un peu bizarre, la photo, là? Je vais l'enregistrer. Hé.
Oh, Noctis qui se fait toucher les côtes. Mais pourquoi mes photos, elles sont comme ça? On dirait qu'ils ont mis de la suie sur leur tête. Y'a que moi qui vois les photos comme ça, genre? Attends, faut que j'attende mon retour. Ah non, 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 vous la voyez aussi comme ça? C'est trop bizarre. Oh là, le petit con, ça, c'est mort, je le save pas. Ah, ça, on va save juste parce que c'est drôle. Pourquoi ils ont une black face sur la photo? Franchement, je... Pourquoi il montre son cul, Noctis? Regarde, Noctis, il montre son cul. Et pourquoi c'est si foncé? Oh, ça, ça me détruit les yeux. Mais elle est belle, donc je la save. Ah, belle matinée. Salut. Salut. Oh. Allez. Je vais pêcher, j'essaye juste une fois. Si ça marche pas, je vais chercher les pierres précieuses. Mais on essaye juste une fois parce qu'on a de, on a de l'ego ici. Et que si ça se trouve, c'est le jour qu'on pêche. Je sais pas. Bon, c'est parti. Vous avez déjà vu quelqu'un sortir une canne à pêche comme ça aussi stylée, genre? Parce que moi, non. Oh, let's go dès le début. Ma manette, elle vibre. Je comprends pas, je fais un peu au feeling parce que je sais pas comment... Je sais pas comment il faut faire. Oh putain. Yay! Oh c'est bon! C'est bon là, c'est bon! C'est le vrai! Ma voisine en sueur. Dédé tous les dimanches. Oui! 51 cm! Voilà! C'est bon! On a réussi! Yay! Ah, on va aller pouvoir lui donner à bouffer à cet enculé de chat là. Comment on l'appelle ce bâtard là? Parce qu'il est relou, hein. On va l'appeler petit bâtard, je pense. Putain, let's go! Oh, c'était relou, hein. Ça fait 20 minutes qu'on est sur ce putain de chat là. Elle me foutre en l'air. Oh là là. Dae pêcheuse. Ça y est, j'ai ça dans mes skills maintenant. Je vais pouvoir mettre ça sur mon CV. No joke, premier degré. Je vais mettre ça sur mon CV. Je vais leur dire que j'ai pêché une fois. Dans un jeu vidéo. Et je pense que j'aurai toutes mes chances. Aise. Les doigts dans le pif, hein, comme on dit. La nageoire dans le naso. S'il me redit miaou, par contre, ça va pas le faire. Hein. On va se bagarrer. Ok, c'est bon. Tiens, regarde, il est tout frais. Quoi? T'aimes pas ça, le poisson creux? Attends, il se fout de ma gueule. Ah, t'aimes bien ça, mais seulement s'il est cuit, d'accord. C'est une blague? Mais c'est jamais fini, cette quête de chat! C'est quoi ce chat casse-couille? Mais salut, Chiki, comment ça va? Ça me bute, non mais moi il me... Bienvenue à Galdina. Ta gueule! Chauffe-moi mon poisson! Oh non mais c'est trop! Ça pour un putain de chat qui est plein de puces. Dites, vous auriez pas quelque chose qui plairait à un chat? C'est comme ça que tu dragues les filles? Hein, mais tu veux quoi toi, la lambda là? Non, c'est pour le chat là-bas. Je plaisante, je connais bien ce matou. Je vais voir ce que je pourrais lui préparer. Sauf que je n'ai plus de poisson. Un client vient de commander le dernier qui me restait. Dis-moi, tu penses être capable d'en pêcher un toi-même? Bah c'est bon, on a ce qu'il faut, hein. Mon modèle, ce chat. Oh là là, c'est trop grave, hein. Le chat de luxe. Et c'est à Galdina qu'il est oui. Le il est connu des cuistots, c'est pas son premier coup, non mais vraiment. J'aime bien les... C'est vrai que ce chat est... Il suffit de pas... Tais-toi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Non mais le chat casse-couille, hein, je vous jure.
Vraiment, on va l'appeler petit bâtard. Hein. Le petit chat. Mais regardez-le, là. Il est assis comme ça sur son arrière-train, là. Le chat galeux, là. Ah, voilà pour toi. Ouais, miaou. En plus, il est pas maigre, hein. Comme ça, hein. Faut le nommer chat... Le chat go le nommer chat casse-couille. Regardez-moi ça, deux fanas de poisson. En vrai, ça donne tellement d'XP, putain. J'ai tellement bien fait de le faire, quand même. Tout pour l'XP. Bon, là, on va chercher les quêtes... Enfin, la quête principale, hein. On va aller trouver les pierres précieuses de l'autre teuteux, là. D'ailleurs, je crois que c'est assez relou, parce que on va devoir se bagarrer beaucoup avec un monstre. Enfin, un gros truc, je crois. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois. Je pense qu'on va y aller en bagnole. Enfin, est-ce qu'on peut y aller en voiture? Ouais, on va y aller en bagnole. Name du chat, pète pas les couilles. Hop, conduite automatique. Là. On peut aller directement là? Ok, nickel. Allons-y. Heureusement qu'il est pas à l'église, sinon on l'aurait appelé le chat pasteur. Oh putain. Au secours. La baston! Oui! La bagarre! Sid avait raison en disant que c'est pas très prince. Oh, il t'a même pris pour un larbin. Loin d'Insomnia, le sang royal n'a pas une grande valeur. Et ben moi, je me sens bien plus vite comme ça. Regardez ces gros beaux gosses là. En vrai, la vue elle est incroyable. Hein. Pardon. Noctis, c'est dangereux ça. T'imagines, il freine d'un coup ton bro là. Attendez. Ah, ça a pas marché. Bon bah tant pis. Va falloir que je conduise maintenant. Que je conduise. Non mais alors les gars, par contre, faites attention parce que ne vous asseyez pas comme ça sur votre décapotable. Hein. Je comprends pas ce qui est écrit sur le livre de Gladio, mais tout pareil. N'empêche le prince qui n'a pas de compte en banque de Guil. Bah. Allez, allons explorer ça. Son père l'a laissé un peu grandir de lui-même. Je trouve ça très bien, moi. Promis, quand j'aurai une décapotable, je m'en souviendrai. D'ailleurs, les décapotables, c'est trop cool. Hein. T'es là, t'as tout le vent dans la gueule, t'es à deux doigts de gober des mouches. Enfin, moi, je trouve ça bien. Enfin, sauf quand il pleut, mais cela va de soi. D'accord. Alors, pourquoi il aurait besoin d'avoir un compte en banque? C'est lui la banque. C'est pas faux. Gober les moustiques, nope. Et salut Silver, comment ça va? Du bullshit, ouais, faute scénaristique, moins un point. Non mais c'est grave. Oh, vous entendez un... ce que j'ai entendu là? Il y a eu un gros voilà. Et on est obligé de s'en approcher. Tais-toi, tu vas le réveiller. Regardez comment la créature elle est incroyable. Un pigeon géant. Alors la cam me donne envie de vomir. C'est un gros oiseau. Coucou. C'est même un énorme dindon, un énorme corbeau. Il est quand même vachement... Attends, mais il a des ailes sur son crâne. Enfin, c'est fou quand même. Je suis bientôt miam, je laisserai en lurk. Pas de soucis, Urf. Bon appétit à toi d'avance. Plus que 9h et je pourrai jouer. Tenons, 9h. Oh la vache. C'est vrai que j'ai du mal à le DL aussi. Oh, il a une grosse queue. Hein. Pratique pour voler. Ouais, c'est pratique pour voler de la tête, ouais. Tu flashes sur qui parmi les BG? Bah, évidemment Noctis. Hein, c'est pas négociable, ça.
c'est le snipe, le machin. J'essayerai même pas. Faut arrêter de respirer là dans mes oreilles comme ça, aussi fort, s'il vous plaît. Pas de soucis, Chiki. Merci beaucoup. Et bah, bonne game à toi. D'un coup, comme ça, tu te réveilles, frérot. En vrai, il est trop stylé. Hein. Bon, il y a ça à côté de Costa del Sol, quand même. Oh, ma manette qui me détruit les mains, là. Oh, la vache, ça vibre de fou. Il y a ça qui dormait à côté d'un truc touristique. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu vas me dire qu'avec leur avancée technologique, ils peuvent pas buter ça. En vrai, si, mais... J'ai bien cru que c'était la fin. Faut que je récupère la régalia, j'allais me barrer, mais... pas notre vie comme ça à chaque fois. En effet, je te le fais pas dire. Merci, Chiki. Merde, non, c'est pas ça que je vais faire. D'ailleurs, j'ai vu Chiki sur FF14, ça m'a fait très plaisir. J'ai envie de faire Hatchoum. On est dans un monde avec des primordiaux, je dis ça, je dis rien. Oui, c'est pas faux. Ça doit peut-être pas les émoustiller plus que ça au final. Récupérons la bagnole. Retournons du coup ici. Ça va me garer où ça? Ouais, ok, c'est ça. Bon, d'ailleurs, j'étais sur le stream de Shona, on a déliré quand on t'a vu au concert. Oui! Bah oui! Oh là! L'accident! Hier, j'étais encore du coup sur le Discord avec Andy, Arby, Tira, etc. On était sur FF du coup, et on avait fini de farmer entre guillemets les raids pour eux, les raids Rabanastre. Du coup, on s'est retrouvé à Gridania. Après, on vit dans un monde avec des éléphants. Et j'aurais quand même peur d'un oiseau de la taille d'un cheval. Oui, c'est pas faux. Dit comme ça. Mais ouais, je vois ça, je suis pas bien non plus. Hein. Fermer les raids Ravanas, finir dans les bains à Kougané. À feindre la mort. Et en vrai, c'est très bien comme activité. Ah pardon, faut pas dire bichon, pardon. Ok, alors allons rendre les petites pierres à Dino. C'est pas cette quête qui est relou de Dino, c'en est sûrement des autres. Parce que j'ai un mauvais souvenir avec lui, je sais plus c'est où. Allez. Mais ouais. Allez. Allons-y, let's go. Rendre la pierre à l'autre profiteur là. D'ailleurs, ça me fait penser, mais j'ai pas de... Non. Est-ce que j'ai des... Ouais, j'ai ça, mais ça... Ok. J'ai pas d'autres quêtes. J'ai pas regardé au restaurant. Ah si, c'est des quêtes level 14. Je suis level combien? Ouais, non, je peux pas prendre. Du coup, je suis trop contente. J'ai quand même pu lancer FF14 sans que mon PC explose. Et du coup, ça va? Tu bugs pas trop? Dis-nous tout. Tu joues quelle classe, du coup, Chiki? Non, je parle pas au chat, c'est bon, je fais la gueule. Bienvenue à Galdina. Oh, ça lui a coupé le sifflet à prompto. L'expérience dans FF15, c'est pas hyper dérangeant. Ouais, mais le farm, t'as vu. On veut être bien ici pour tabasser des mobs. Tu peux tellement accumuler, tu passes dans le level. Oui, c'est... Merde, il est là, c'est pas faux. C'est maintenant les amis, je joue occultisme. Oh, pour devenir mage noir du coup, je crois. Ou non, mage blanc. Occultisme, c'est quoi? Les forces occultes, donc c'est mage noir ça. T'es avec les Lalafel? Non? Génial! J'espère que vous m'en voudrez pas trop de vous avoir fait chanter. Oui, x5 XP, grâce oui. Vous, je vais pouvoir m'entraîner comme il faut. Ouais, c'est mage noir. Oh là là! Soir, je me transforme en artisan. Je suis bijoutier.
et cette pierre va devenir. Et tu joues quel tu joues Minkod, Dira, Lézard, enfin tu joues quelle race? L'avènement de l'oracle. Ce type a dû les récupérer à Niflheim. Tu joues Élyséen, let's go. J'ai moi aussi un cadeau, je l'ai fait moi-même. Vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, ravi de te compter parmi nous maintenant, Shiki. C'est spécial et fini chez un citoyen ordinaire. Bah comme ça, on a un peu de monnaie. À propos d'argent, et si on reste avait un hôtel pour la nuit. Non mais ça va, t'as pas... T'as cru que c'était toi, Crésus, ou quoi, bro? Du coup, ça m'a donné un... Ça m'a donné un truc, ça m'a donné un bracelet en... de grenat, et ça se donne quoi? Augmente un peu la force. Ce serait peut-être bien de le mettre à lui, là. Et prompto, on va lui remettre un truc mieux que ça. On va lui mettre ça, voilà. Le port est fermé. Il y a eu un problème à Alticia. Faut encore que j'y parle. Comme prévu, j'ai passé quelques coups de fil pour vous trouver un bateau. Vous aurez bientôt vos billets. Vous êtes content? Maintenant, vous devrez aller ouais, de fou. Faites-moi signe quand vous voudrez partir. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que Dino nous trouve un bateau. Ce type doit avoir le bras sacrément long pour arriver à contourner l'embargo impérial. C'est un artisan, mais il fait beaucoup de choses. Ouais. Eh ben, let's go. Vous êtes prêt à monter à bord ? On y va. Let's go. Le bateau n'arrivera que demain. Trouvez-vous plutôt un hôtel. Bah, on va redormir dans la caravane. Parce que l'hôtel, c'est quand même 5000. Il est pas un peu tôt, là. Comme ça, on sera prêt. Ah non, ça nous paye l'hôtel comme ça? Ok, nickel. Hein. Wouh, level 8. Wouh. Oh, mais quel homme. Oh non, ça c'est une grognasse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de danser ou il est en train de lâcher un paix? Quel sens de la composition? Oh, le gros wasal. Il est quand même vachement stylé, Gladio. Le beau oisal. Le oiseau. Oiseau. Les combats, vous pouvez effectuer. J'ai pas le temps de lire. Voilà. Ça a chargé trop vite pour une fois. Allez, regardez bien ça. C'est important. Du coup, ça, c'est le film. C'est ce qui... Si vous voulez plus de détails sur ça, c'est dans le film. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir le film parce qu'il est incroyable. Là, c'est giga résumé, mais vraiment allez le voir. Hey, salut, Notice. Et avant ou après, en vrai, moi je l'ai regardé après, mais regarde-le quand t'as envie en soi. En vrai, c'est bien aussi avant, ouais. Ou même pendant. Une fois que t'es là, tu finis, tu regardes le film, quoi. Il est où, Ignis? Il devrait pas tarder à revenir. On avait une belle vue quand même, enfin... Donc là, si vous n'avez pas trop compris, je vous explique après. Il y a un problème? C'est à la une de tous les journaux. Quoi donc? Insomnia s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer, Noct. Calme-toi. Me calmer? Je peux pas être plus calme que ça! Voilà ce qui se passe. Le Niflheim nous a menti.
Il a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi... mort. Non, c'est pas possible. Le fait est qu'on ne pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir quoi, hein? Qu'il devait signer le traité hier. Qu'Insomnia allait être... C'est n'importe quoi. On devait aller à Altissia. Je le sais très bien. Pourtant, les nouvelles de l'invasion sont unanimes. Les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non. Je rêve ou quoi? Un bébé. Oh. Si seulement. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors on pourra en être sûr qu'en vérifiant nous-mêmes. Dans ce cas-là, faut qu'on retourne à Insomnia. Mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Ici aussi, ça peut être dangereux. On y va. Ouais. Alors, bah du coup, ça a été expliqué ce qui s'est passé. Après une nuit passée à Galdina, en attendant le bateau pour Altissia, Noctis et ses amis ont l'effroyable surprise d'apprendre la chute d'Insomnia et la mort de Sa Majesté le roi Régis dans les journaux du matin. Ils décident alors de retourner à la capitale au plus vite pour vérifier d'eux-mêmes la terrible nouvelle. Du coup, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'avais dit tout à l'heure que le traité de paix, le mariage de Noctis et tout entre le Niflheim et Insomnia, du coup, était du coup un prétexte pour que Niflheim arrive entre guillemets à Insomnia et ils avaient, entre guillemets, du coup, apparemment, programmé l'attaque pendant la signature, entre guillemets, du traité de paix en question. Et du coup, là, Noctis vient d'apprendre que son papa est plus là et que, son royaume, entre guillemets, est détruit. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà. Tu peux toujours espérer. Et je crois que ma cam vient de s'éteindre. Parce que la foi peut arrêter des croiseurs impériaux ? Oups. Alors, ma cam vient de s'éteindre, bougez pas. J'ai crash. Oula. Beaucoup de guillemets, oui. Mais alors, mon OBS vient de crash. Ah. Il y a tout qu'à crash, je sais pas pourquoi. Bougez pas, j'ai mon PC qui fait de la merde. Je sais pas si je suis toujours en stream d'ailleurs. Je crois que oui, mais je suis pas sûre. VCFace qui a tout fait péter là. Je suis toujours en stream, super. Alors je sais pas pourquoi ça m'a tout crash comme ça. Je vais devoir quitter le stream le temps de revenir parce que mon PC a... Attendez. Mon OBS revient à lui, visiblement. Adios le VTuber. Oui, tout est cassé. Attendez, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, attendez, faut que je refresh. Mais même si je refresh, je suis pas sûre que ça fonctionne. Je sais pas ce que je suis censée faire. Je cut le stream, je reviens, je relance mon OBS parce que tout est cassé. Attendez, bougez pas, déjà je remets ça. Je reviens, bougez pas, j'arrive.